Okay. On a encore de la place sur cette tile map, donc on va faire ça ici. La télé, du coup, elle y est déjà. L'escalier qui va vers le bas. Oups. Oups. Comme ça. Oups. Ah merde. Voilà, c'est plutôt ça. Et après, globalement. Globalement, voilà. Ensuite, pour la table. Alors, pour la table. Bah, c'est cette table, mais. Mais un chouïa plus grande. Qui s'étend en fait tout en haut. Donc je peux copier ça. Hop. Mettre ici. En fait, je prends ça, je le mets là. Et je fais ça. Alors c'est pas vraiment cette table, parce qu'il y a le truc de fleurs au milieu là. Et je pense qu'il est sur ce cette partie hein, du coup. Merde. Un truc qui va pas là. Non, c'est bon, c'est juste ça.
Voilà, je pense que c'est ça. Et du coup, bah, le bas de la table, c'est celui qui est juste en haut, quoi. Tout simplement. On va aussi avoir donc les bibliothèques, le tabouret. Tabouret, je vais le mettre là, là. Oups. Yo, Miniscube. Hello, hello. Ok, et on va finir du coup par la bibliothèque ici. Je sais pas si c'est exactement ça. Si c'est ça. Parfait. Avec des petits pixels blancs et des petits pixels comme ça. Pouf. Et donc du coup le tapis, pardon. Le tapis qui déborde un peu, j'ai l'impression, non? C'est bizarre. Peut-être pas alors. Peut-être pas du coup. Enfin, une base.
Oh, c'est trop bizarre, hein. Parce que sur une tile, t'en as deux du coup. Je pense que l'autre carré est là, mais... Ouais, en fait... Ah merde, j'ai oublié. Ouais, je suis con. Ça. Genre c'est un truc comme ça quoi, mais pas vraiment quoi. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il est plus plat. Ah oui, il est plus plat en fait. On le voit. Il est plus plat. Il est plus plat encore. Plus plat que ça encore. Ah bah non, parce qu'il est des deux côtés en fait. Ouh, ok, je pense que c'est ça. Et du coup... Ok. Bah du coup, on est préparé pour faire... Pour faire ça, hop, on revient dans Unity, on revient dans Sprite, dans Tilemap 1, Sprite Editor, Slice, Smart, Pivot Center, du coup, parce qu'on fait des size, des trucs, et Cell Count, on a 8 par 3, enfin par 8, quoi. Smart. Yo, sapin! Hello! Du coup, à partir de ça, je les ai pas mis. Donc, on va avoir celle-là. Bon, peu importe où je mets ça, on s'en fout. Donc, c'est dans palette, intérieur 1. Merde. Non, alors, du coup. Je peux pas faire ça correctement, genre. Bon. Oui, mais il va me demander à chaque fois pour sauvegarder ça là. Attends, y a pas moyen de prendre ça là et de le peindre ici. Voilà. Voilà. Ok. L'escalier, on va le mettre ici. C'est fou, hein. Ça, on va le mettre là. Non, il existe déjà en fait. Dans palette, intérieur 1, il doit exister déjà. C'est celui-là. Pouf. Voilà. Le tapis. Attends. Le tapis, je vais mettre là, genre. Save. Et le bas de la bibliothèque, ici. J'ai juste rajouté ça? Ok. Donc en fait, là, la scène où on est actuellement, c'est Palette Town Interiors. On va mettre tous les intérieurs, donc Palette Town Interiors. Palette avec deux L. Ouais, c'est ça.
Ok, donc maintenant il faut modifier les palettes pour que les trucs qui est censé avoir. Donc attends, parce que là, du coup, là il me détecte sprite. Mais on est d'accord que c'est grid. Grid. Et du coup, là on peut marcher. Et là on peut marcher. Et il est où mon tapis? Donc là et là. 18 et 21. C'est none. Et il est où mon tapis? C'est une blague? Ah, bah, qu'est-ce qu'il fout là? Ok. Donc là, normalement, mon tapis. Ok. Donc maintenant, comment on fait? Eh bien, vu que ça, c'est l'étage de la maison d'en dessous, on va le mettre là, disons. Alors par contre, on est sur cette tile map. Hein. Voilà. L'autre tile map, on peut ne plus l'afficher, on s'en fout. Voilà. Bon, bref. Ok. Pinceau. Hop. Alors, on n'a pas le jeu d'ouvert. Très bien. Donc, eh bien, on a deux trucs comme ça. Alors, la taille, normalement, c'est la même. Hein. Pouf, pouf, pouf. Touk, touk, touk. Ensuite, là, on a tout ça, là. Encore. Ensuite, là, on va avoir la table et tout. Encore la table et tout. Le tapis. Voilà, j'ai un truc comme ça. Alors. Ça et ça, c'est des objets, c'est des game objects. Le seul souci, c'est que ceux-là, ça va être des triggers du coup. Ah oui, les escaliers et tout. Je sais pas comment faire les escaliers pour l'instant. Bon, bref, on verra. Donc, ça, c'est une table. Ça, normalement, ça rentre là. Ça rentre là. La télé, elle est là. Et voilà. Et donc tout le tour. Donc là, on a mis 4. Donc ça doit être à peu près 4 aussi ici. Et tout le tour, c'est du noir. Hop. Hop. Ok. Bon, alors j'ai pas mis de PC encore. Et pour l'instant, le. Ah oui, alors. Ça, la plante. Il faut l'enlever, hein. Ça n'existe pas dans le jeu. Voilà. La Super Nintendo, par contre, elle est là parce que là. Elle donne un dialogue. D'ailleurs, la télé, là, elle donne un dialogue. En fait, j'ai même pas testé. Ah, rien. Ah! Alors ça va être problématique effectivement. Oups, mauvais côté. Ok, donc ça il va falloir que je change. D'accord. Ok, donc il va falloir changer de dialogue. Et du coup là on a le premier exemple de dialogue du jeu qui est différent. Regardez. Donc là ça c'est deux lignes. Ensuite on a une troisième ligne. Une quatrième ligne. Et là, ça change. Ça clear tout le dialogue et ça recommence un nouveau dialogue. Et donc c'est ça ce que j'entends par texte. C'est pour ça que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai géré mon truc avec plusieurs textes dans mon dialogue window. Mon dialogue window ici, regardez, j'ai un tableau de texte, alors que pour l'instant j'utilise pas. Hein. Pour l'instant j'utilise que un seul texte. Et là du coup je vais pouvoir ajouter plusieurs textes, comme ça quand on passe au texte suivant, ça clear tout le dialogue et ça recommence.
un nouveau texte. Ok? Et c'est pour ça que j'avais fait ma fonction next. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une fonction next qui permettait de passer au texte d'après, mais ça je l'ai viré parce que pour l'instant il n'y avait pas de cas où c'était utile. Et là, bah là du coup, voilà, on va avoir ce cas-là en fait. On va avoir ce cas-là. Parfait. Ok, et sinon, l'autre truc à rajouter, c'est que il faut être dans une certaine direction pour voir simplement eh bien, l'angle, pour interagir en fait. Donc, player behavior machin, interact behavior, et ici, on a le player behavior. Alors, le player behavior, malheureusement, n'a pas. Il faudrait pas passer le player behavior en fait. Il faudrait passer le character behavior pour la direction. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que player behavior là, j'ai pas la direction là. Je pourrais la mettre. Je pourrais la mettre, ça coûte pas grand chose. Ça coûte pas grand chose. Et donc là, dans Interact Behavior, on va avoir une autre truc qui sera direction, interaction, direction. Ok, interaction, direction, interact, direction, ou je sais pas, bref. Et seulement si player.direction est égal à interact, direction. On interagit. Mais il y en a, comme par exemple. Les personnages à qui on parle, par exemple à la mère de Sacha, je peux l'interagir depuis n'importe quel côté. Il y a ce retour. Ok. Donc il va falloir gérer ça aussi. Du coup, en fait, soit on a une direction fixe sur laquelle on est obligé d'interagir. Soit c'est un personnage en fait. Du coup, comment je peux faire ça? Parce que Interact Behavior. Interactable décor behavior, je sais pas comment l'appeler en fait. Bon, sinon je peux faire ça. Hein. Bool. Restrict. Direction. Et là, si restrict direction est. Non, si non restrict direction. Ouh, player direction machin, ok. Ce qui fait que là maintenant, regardez, je peux aller dans l'éditeur. Et donc la Nintendo, dans le jeu, on a vu qu'on pouvait parler à la Nintendo depuis toutes les directions. Donc là, restrict direction, je coche pas. D'ailleurs, il n'y a pas un truc pour disable. Ah non, c'est vrai qu'il n'y avait pas ça. Bref. Par contre, la télé. On va avoir plusieurs trucs. La télé. Ah, ça va être chiant ça. Donc la télé, ça va être un truc ajouté après. Bon, en vrai, est-ce que. Pff, ouais. Oh, ça va juste être une case, hein. Du coup, c'est ça, là, on a un problème. Ok. Comment je peux faire, du coup? Parce que là, du coup, il va y avoir plusieurs collisions. Enfin, il va y avoir plusieurs dialogues, en fait. En fonction de comment on est tourné. Ça change tout. Non, en fonction de comment on est tourné, du coup, bah, il y aura un dialogue, et si on est dans l'autre sens, il y aura un autre dialogue.
Après, en vrai, moi je suis pour ici ne pas mettre de sprite renderer. On met juste un box collider. Je le vois pas. Et du coup, le sprite renderer, il est là-dessus. Hein. En vrai, go faire ça. Je sais pas pourquoi je me casse la tête. Je le mets. Voilà, comme ça au moins, il y aura tout de mi. Et si jamais je veux faire en sorte que ma case, elle soit différente des autres et tout. Eh bien écoute, j'ajoute un truc et voilà. Alors attendez, là j'ai fait un petit truc parce que GameObject. Oups. Sacha. Alors comment il s'appelle? H House. Enfin, Player House. Upstairs. Oui, Blue. Bon, je vais mettre player. Voilà. Et on va avoir le player house. Player house. Downstairs. Bon, en vrai, j'ai pas obligé de mettre des tirets partout. C'est juste pour que je m'y retrouve, quoi. Parce qu'en fait, on va avoir toutes les maisons du Bourg Palette, on va les avoir dans cette scène-là. Donc là, du coup, voilà, on va mettre ça comme ça. Alors, ça, reset-toi, s'il te plaît. Du coup, elle est où? Bah, Super Nintendo, elle est là. Hop, on la bouge là. Voilà. Ah oui, alors. Oui, bon. Elle est bien là. Non, elle est pas du tout bien. Je me disais aussi. Voilà. Ok. Et donc, downstairs, on aura du coup d'autres trucs, quoi. Et ça, on le met là. Oh là là, c'est compliqué, Unity, hein. Tu peux pas faire un petit effort, s'il te plaît? Ok. Donc on a la Player House upstairs, Player House downstairs, qui est là. Ok. Voilà. Tout simplement. Alors, on peut mettre... On s'en fout, en vrai. Je peux la mettre genre là. Comme ça, au moins on. Oups. Comme ça, quand on fait ça là, hop, on zoome direct. Bon, bref. La Super Nintendo, elle est là. Il manque le PC et l'escalier. On va ajouter ça. Et donc là, par exemple, je pourrais ajouter direct. Je pourrais faire ça d'ailleurs. Super Nintendo, je copie. Hop. Et là, ça sera du coup la bibliothèque. Comment on appelle ça, bibliothèque? Bookcase. Comme ça. Et là, du coup, on aura un autre dialogue. Bookcase. Et il dit quoi, du coup? Des bouquins sur les Pokémon. Point d'exclamation. Des bouquins sur les Pokémon. Donc là. On va écrire des bouquins sur les Pokémon. Y a un S? Y a un S à Pokémon ou pas? Oups. Non. Ah merde, c'est écrit Pokémon en majuscule. À part le E du coup. Voilà, nickel. Et donc là, du coup, on aura une bookcase qui aura restrict la direction. Ok. Il faut que la direction du personnage, il vienne vers, il soit vers le haut en fait, il soit orienté vers le haut. Donc là, je mets up. Et là, je mets le bookcase. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça et on va le mettre. Il est où? Ah, ils sont là tous les deux. On va les mettre du coup, bah, ici, tout simplement. Voilà. Comme ça, on est obligé de venir vers le bas. Pour interagir. Ce serait bien de pouvoir assigner une même interaction à plusieurs directions, genre pour la télé, t'as une même interaction qui fait de gauche et droite. Bah en fait, pour ça, du coup, ce que je comptais faire, c'est mettre du coup plusieurs interactions les unes sur les autres, mais le problème, c'est qu'on va avoir un problème, quoi. Yo Fabien, ouais, ça avance tranquillement. On fait ce qu'on peut.
En vrai, c'est pas con ce que tu dis, Unice Cube, mais je sais pas si on va l'utiliser souvent, ça. En vrai, t'as raison. Est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça dans le jeu? En train de réfléchir. Bah après, je vais pas. Ouais, non. À part les trucs un peu bizarres comme ça, il n'y a pas vraiment de cas où ça arrive, quoi. Est-ce que je fais ça comme ça ou pas? Après, vu que c'est un truc très spécifique, en fait, regardez comment je comptais faire, en fait. TV side. Et en fait, je comptais modifier la hitbox ici pour qu'elle soit plus petite. Voilà, comme ça. Parce qu'en fait, quand le joueur envoie un rail. Pourquoi mon player il est là? Et pourquoi le center il est là de mon joueur il est là? Ah oui, parce qu'il y a ça, d'accord. En fait, quand mon joueur il va envoyer un rail, il va l'envoyer du centre ici. Oui, mais du coup, ok. Alors il faudrait qu'il l'envoie du centre de la case où il est. Ce serait plus simple. Donc on va descendre ça. Voilà, ok. Et donc, comme ça, quand j'envoie un ray sur le côté ici, là je touche que ça. Et si jamais je fais la même chose dans l'autre sens, je vais toucher. Tu vois ce que je veux dire? Les pancartes, faudra voir ces deux faces à mon avis. Ok. Ouais, mais est-ce que du coup elles ont une autre interaction quand quand tu fais A sur les côtés, c'est ça en fait le truc. Parce que le fait d'avoir que un côté, ça c'est bon. Ça, je sais qu'il y en a plein dans le jeu. Donc ça c'est ça. Mais par contre le fait d'avoir plusieurs actions en fonction du côté où t'es, ça je sais pas si on a beaucoup des trucs comme ça dans le jeu. Donc là ce que je voulais faire c'était ça. Et là on a du coup la TV. TV1 ou je sais pas. En vrai je peux mettre ça dans un dossier. Palette Town. Voilà. Donc TV. Alors, la TV, c'est par le Dragon Ball, du coup. Un dessin animé, un petit garçon. Donc, un dessin animé. Un petit garçon. Avec une queue de singe. Et là, du coup, bah, ça serait un nouveau dialogue en fait après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai limite envie, là, de refaire un autre dialogue. Bon, j'y vais. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, est-ce que... Alors, attendez, j'ai envie de faire des tests avec le scriptable object. Oups. Donc simple dialogue et là on va mettre multiple dialogue par exemple. Dialogues. Bon bref. Ok. Donc multiple dialogue. Multiple dialogue. Ok. Et donc là je vais faire un tableau, deux tableaux. Voilà. Dialogues. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça, je peux faire? Est-ce que ça, c'est autorisé? Create game dialogue multiple. Je vais créer un truc sprite sheets peut-être. Pour les sprite sheets. Merde, j'ai fait copy in yank. C'est ça qu'il faut faire? Je me souviens plus.
Non, c'est pas du tout ça, ok. Bref. Spreadsheet. Spreadsheet, mais bon, a priori, là, les spreadsheets, je veux pas en avoir beaucoup. Enfin, si, pour les caractères, en fait, surtout. Hop, voilà. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, du coup? Create, game, dialogue multiple. TV. Ouais, non, il sérialise pas. Bah, je pourrais faire un tableau de dialogue, ça je gêne pas. C'est con qu'on puisse pas faire un tableau de tableau. Liste, il sérialise pas non plus. Bah, je crois pas, hein. En fait, il faudrait. Là, l'idéal, c'est Unity qui bug pas quand je veux faire des sauts à la ligne dans mes strings, en fait, c'est ça. C'est juste ça. Si ça marche, bah je peux faire juste un tableau de strings et dans mes strings je saute à la ligne et quand je veux pas sauter à la ligne, je saute pas à la ligne, quoi. Ou alors, je dis que pour faire une pause, je mets un truc vide. Je peux faire ça comme ça. Le moteur après ses 20 ans, tu peux pas avoir un tableau de 2D dans les 10 heures. Ouais, non, c'est. Et tu peux pas mettre. Je sais pas si t'étais là hier, il me semble que t'étais là. Tu peux pas mettre un putain de saut à la ligne dans une string, ça fait bugger l'interface. C'est trop de la merde. Sinon, on dit que. Voilà. On dit que si jamais je veux sauter, faire un nouveau paragraphe, bah juste je fais une ligne vide. On peut faire ça comme ça, je pense que c'est le mieux, en vrai. C'est vrai que du côté des attributs, tu peux avoir un texte aria dans l'inspecteur. Ah ouais? Alors. Oh. Mais ça change tout. Intéressant, merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir une text aria par Bah ouais, mais non, en fait, c'est pas ça. En fait, est-ce que ça fonctionne? Je pense pas, hein. Est-ce que je peux avoir une text aria par. Oh si! Oh, ok, cool. Et est-ce que. Alors là, ça serait le est-ce que du est-ce que. Est-ce que si jamais dans mon UI manager, si je dis que là, je veux. Une string. Et je dis que je veux text aria. Est-ce que. Ah non, il capte pas. Ok. Parce que ça aurait été le mieux, mais en fait, non, en fait, je suis débile. Bon, bref. Ok. Donc là, du coup, ça serait plutôt dialogue. Cool. Ah, merci, putain. Odin Inspector. Ouais, je l'ai. C'est le premier asset que j'ai acheté dans l'asset store. Donc je l'ai, Odin Inspector. On peut le mettre dans Unity là, mais en vrai j'ai envie de faire du vanilla Unity. J'ai pas envie d'avoir des trucs 3 milliards de trucs. Ah, c'est le tout premier asset que j'ai acheté, je m'en souviens. Je trouvais ça trop stylé. Mais bon. Ok. Alors. Donc ça sera plus. Donc ça va dégager hein, le multiple dialogue. Ça sera plus simple dialogue. Ça va s'appeler juste dialogue. Hop, là on aura du coup text area pour les textes quoi en gros. Ok. Du coup, le new multiple dialogue, bah ça n'existe plus. Wow, alors là j'ai. Donc ça va être dialogue du coup.
Ça va être dialogue aussi. Et dialogue.texte. Alors, du coup, pas besoin de faire. Ah si! Est-ce que le texte area gère les sauts à la ligne correctement? On va voir. On va voir, on va voir. On va voir. Franchement, on va voir. Ok. Donc là, du coup, là, il va me changer tous mes trucs, c'est ça? Je vais devoir tout refaire. Ouais, bookcase. Du coup, on a des bouquins sur les Pokémon. Ok. La Super Nintendo qui dit. Je sais même plus c'est quoi la première ligne de la Super Nintendo. Putain, mais je suis un débile. Après, maintenant, avec lui. Et le 8 bidder d'Unity, tu peux faire des trucs aussi cool. Oui! Après, on peut le faire à la main. Ah oui, c'est ça. Blue joue à la Super Nintendo. Trois petits points bons. On y va. Non. Voilà. Mais là, du coup, on peut étendre le truc là. Bon, c'est pas grave. Ok. Et la TV. Un petit garçon. Un dessin animé. Donc, un dessin animé. Oh, je vais y arriver. Un petit garçon qui se transforme en singe. Quoi? Avec une queue de singe. Voilà, et là je fais plus. Et comme ça je fais bon, j'y vais. Bon, j'y vais. Voilà. Et on a la TV side. Oups, mauvais côté. Qui dit mauvais côté. Oups, mauvais côté. TV side, donc il n'y a qu'un dialogue, c'est oups. Mauvais côté. Ok? Un garçon avec une queue de singe, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Ouais, je sais pas. Hein. Mec, ils inventent des trucs dans Pokémon, c'est une dinguerie. Hein. Allez. Et donc là. Donc bookcase. Ah oui, donc pardon, c'est UI Manager dialogue. Ah oui, donc ça pareil. UI Manager dialogue. UI Manager dialogue et UI Manager. Dialogue. Donc, bookcase, bookcase, ça c'est le même. D'ailleurs, d'ailleurs, entre nous, on supprime ça et on étend ça sur deux cases. Non, en X. Voilà. Comme ça, j'ai qu'un seul objet pour les deux bibliothèques. Donc là, on restrict la direction. La Super Nintendo, la restriction des machins. Et donc là, on restrict la direction et ça va être. Ah merde, ça va être left et right. Attends, sinon, regardez, on restricte pas. Ok. Mais je vais ajouter une hitbox en bas. Ok, vous allez voir. Je vais. Merde. Merde. Je vais ajouter une hitbox en bas. Regardez, je vais inverser là. Donc je vais mettre. D'ailleurs, on peut mettre 0,5 ici. Comme ça. Hop. Et là, TV, je vais mettre 0,5 et 1 en Y. Et comme ça. Bah, en fait, celle qui est au milieu. On pourra jamais la recast. Sauf si on est sur les côtés, en fait. Oui. Sinon, tant que c'est pas up, trigger. Ah oui, mais du coup, il faut que je fasse dans l'autre sens alors. Non, mais. Ouais, non, non. Mais du coup, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse un autre truc. Mais là, du coup, je fais sans faire un autre truc. D'ailleurs. Pour forcer la direction, je pourrais carrément faire le truc de moitié en fait. Bah non, non, je suis con, ça marche pas, non, je suis un débile. Ok, donc là du coup, le side, TV side, ça va être que sur les côtés, et quand je regarde en haut, ça va trigger, ça va rentrer dans la première ça en premier, et ça va faire ça. Ok? Et là, le restrict direction, il est présent, pour être sûr que... Alright? Pourquoi la position de mon truc? Ah ouais, putain. Ouais.
Attendez. Voilà, je mets des. J'aime bien quand c'est. Quand c'est pixel un peu. Ok. Ok. Et donc maintenant, bah, il faut gérer le dialogue. Quand il y a plusieurs dialogues, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça va être très très simple. Dialogue window. C'est ce cas-là. Il faut que ça clear le texte. Et comme si on commençait un nouveau dialogue en fait. Et pour faire ça, eh bien juste on next text. Ah non, pardon. On est en wait for input. On est en wait for input en fait. On se met en wait for input. Wait for input. Ok. Et dans le wait for input, je vais rajouter un truc. Non, dans le scroll, pardon. Dans le scroll. Parce que ça va être dans le scroll. C'est si jamais. Donc le scroll offset, machin, machin. Et tout ça, en fait. Tout ça, ça dégage. Le timer est à 0, c'est normal. Si le current letter est inférieur à current text.length, moins 1. C'est-à-dire que si on n'est pas au dernier caractère du texte actuel. Parce que là, en gros, c'est là, là. C'est si current text plus 1 est supérieur à. Attends. Si current letter est supérieur ou égal à text.length. Ah, donc on peut mettre simplement. Oui, non. Donc, en fait, du coup, c'est ça. On peut mettre ça. Et là, alors, qu'est-ce qui se passe? Current letter inférieur ou égal à current letter. Ah mais ça va pas du coup, je vais dépasser mon tableau là. Donc là on fait si current letter est supérieur à text.count. Ah non, current text, pardon, c'est rien à voir. Donc là current letter, je peux le remettre à current text.length moins 1. Oui, parce que sinon ça va bugger. Faut pas qu'on puisse appuyer entre les deux dialogues pour éviter de relancer le premier dialogue. Ah non, non, t'inquiète. Alors, ça sera pas géré comme ça du coup. Non, non, ça, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et non, ça sera pas géré comme ça. En fait, ça sera le même dialogue. Mais juste, on passera au texte d'après, en fait, dans la liste. C'est tout. Ouais, non, ça va pas relancer un nouveau dialogue. En vrai, ça serait bien. Ça serait mieux de le faire comme ça. Mais effectivement, il peut y avoir des problèmes. Ouais, non, non, je vais faire un truc comme ça directement là-dedans. Donc, si currentLetter est égal à currentText.length moins 1, donc c'est-à-dire qu'on est sur le dernier caractère, quoi. Il y a toujours le freeze. Oui, il y aura toujours le freeze, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, ça va fonctionner comme il faut. Hop. Et donc, pardon, c'est inférieur du coup, strict. Inférieur strict. Sinon, on est dans le cas où on change de texte, et à ce moment-là, ah oui, donc là, c'est ça, voilà. Si il n'y a pas de texte après, on se met en idle. Par contre, s'il y a un texte après, on se met en wait for input. Et une fois qu'on scrolle dans le wait for input, on incrémente le current texte. On remet le current letter à 0. Et on remet le current section à 0. Oups. Et le scroll offset. Le scroll offset il sera aussi à 0 et le state il sera en dialog state typing. J'ai pas un truc type. Y a aucun monde où ça marche je sais pas. Ok. Parfait.
Alors, là, j'ai pas fait le TP aussi. Le TP, comment on s'y prend? Le TP, comment on s'y prend? Déjà, on va mettre un box collider déjà, ça va être déjà une première chose. Ensuite, on va faire un, pas un interactable behavior, mais on va faire un, alors c'est pas un truc avec lequel on peut interagir, mais c'est un truc avec lequel on peut marcher, collisionner. On va en avoir plein en fait des endroits où on, quand on marche sur un truc, il va se passer quelque chose. C'est un floor tile behavior ou comment appeler ça? Putain. Parce qu'il va y en avoir plein, genre les TP de la Team Rocket là. C'est pas vraiment des TP, enfin c'est des trucs un peu particuliers. Il y a la glace aussi qu'on va devoir gérer, l'eau, tout ça. Et les warps. Ouais, alors. Justement, voilà. Il y a pas que des warps. Dans les tiles qui réagissent quand le joueur marche dessus, c'est pas que des warps, c'est ça que je veux dire. Donc. C'est pour ça que je sais pas trop comment les nommer. C'est automatic behavior ou genre marcher dessus behavior, quoi. Walk tile behavior ou walkable behavior et les scripts. Mais qu'est-ce que tu veux dire les scripts? Ah oui, quand on marche dessus, ça déclenche un. Ok, oui. Oui, bah, de toute façon, en fait, c'est juste pour dire, je veux un nom qui puisse dire que bah quand on marche dessus, il se passe quelque chose, quoi. Voilà, c'est des déclencheurs, exactement, c'est ça. Donc, ça peut être trigger en vrai, ça peut être trigger behavior, ça me va. Comme dans RPG Maker. Ouais, non, ça me va, un trigger behavior. Quand tu marches dessus, ça trigger quelque chose. Oui, ça. Ouais, c'est ça, hein. Trigger behavior. Ça me va, validé. Bon, c'est un peu bizarre, trigger behavior tout seul comme ça, sans rien, c'est un peu bizarre. Mais en vrai, ça a du sens. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais rajouter tile dedans pour préciser que c'est une tile, quoi. Mais tile trigger behavior. On verra, de toute façon, on verra. Donc, trigger behavior, qu'est-ce qui se passe? Alors, le problème, c'est que j'ai envie d'utiliser. Et bah, on a juste. Pareil, trigger. Trigger behavior, point trigger. Public void trigger. Oups. Avec le joueur éventuellement. Et là, on va avoir du coup un Unity event. Player Biavo on trigger. Là par contre, il n'y a pas de souci de droite, gauche, de hop, direction, je sais pas quoi. Hein. On va juste faire onTrigger.invoke de player. Et c'est tout. Et regardez ce qui va se passer dans le Window Manager. Dans le Player Manager, pardon. Dans le Player Behavior. Ça, c'est la gestion de trucs. Mais on a une autre gestion. C'est que si on bouge. Donc si on move, si on commence à bouger, on va envoyer un laser. Enfin envoyer un ray tout droit pour voir.
Et une fois que le personnage a fini de marcher, on va trigger le truc. Je sais pas si c'est clair. Du coup, ça serait ici qu'il faudrait que je le fasse. Ou alors, ça serait un truc du character behavior, peut-être. Que le joueur soit complètement dans le tile. Ouais, alors, en gros, c'est quand il a fini de marcher, en fait. C'est pas forcément qu'il soit complètement dans le tile, c'est que si il va sur une tile et que cette tile est un trigger behavior, j'attends qu'il finisse de marcher, et une fois qu'il a fini de marcher, je trigger. Et le moment où il finit de marcher, bon du coup ça sera pas forcément un, ça sera plutôt un character behavior alors qu'on va avoir. Mais attends, j'ai mis quoi du coup? Dans le interactive behavior, j'ai laissé le player. On peut faire ça comme ça. If character.isMoving. Attends. Sinon. Private trigger behavior. Next trigger. Next trigger égale nul. Si on bouge, on se déplace. Avant de bouger, on va envoyer un ray. Donc raycast ist 2D it fixe 2D point raycast character point center point position utils point direction. Ah bah non, il n'y a pas besoin de, si, il y a besoin du machin character point direction de 1f. Ok, si it point collider est différent de nul et que it point collider point get component de trigger behavior is, non, is, ça existe, is trigger behavior trigger next trigger par exemple, alors next trigger égale next trigger, ou bon, trigger on peut. Bon, on peut faire ça pareil aussi, hein. Et que it.collider en fait. C'est vrai que j'avais oublié le is, il est bien. Is interactive behavior object ou interactable. Interactable.interact. Incroyable. Ok. Et donc start move in direction machin 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 machin. Donc là, on a seté le next trigger. Le problème, c'est que. Il faudrait un moyen d'avoir. Parce que voilà. Donc si on est en train de bouger et que le next trigger, si, ok, et donc là regardez, au tout début du truc là, si next trigger est différent de nul, si on est en train de bouger, on retourne, on fait rien. Sinon, nextTrigger.trigger this et nextTrigger égale nul. Est-ce que c'est pas magnifique? Ok? Donc là, le trigger behavior, il va avoir voilà un truc. On va, pour tester, juste ouvrir un dialogue.
Et on va mettre un dialogue au pif. Voilà, le bookcase par exemple. Ok, voyons voir. On n'a même pas testé, on n'a même pas testé l'autre dialogue. Ok. Il y a des warp points d'atterrissage aussi quand tu fais vol. Du coup, ils ne doivent pas être interactables dans le sens inverse. Comment ça, des warp points d'atterrissage? Oui, mais non, mais il se passe rien sur la case. Ça va être juste être. Ça va être juste être un truc en mode dès que tu voles, tu vas à telle case, c'est tout. Il se passe rien quand tu marches sur la case. Ça, il n'y aura pas de souci. Mais effectivement, s'il y a des cases qui sont interactables que dans un sens, ça, il faudra effectivement y penser. Mais bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc par contre, là, on a plusieurs problèmes. Déjà, premier problème, c'est que il faut que la gestion de la collision du caractère ici recast. Donc, is attends, can move. Ok, on va soigner un peu ça parce que recast hit 2D hit égale ça retourne hit. Quand tu sors d'une maison, tu es sur une case point d'atterrissage devant la porte. Pareil, faut pas interagir dans le sens inverse. Ah oui, mais du coup ça sera géré. Pourquoi? Parce que le joueur, le next trigger, il se set uniquement si t'es en train de bouger. Donc si t'arrives sur une case qui est un trigger, bah vu que t'as pas bougé dessus, t'as pas marché dessus, le next trigger n'est pas seté. Donc il va pas déclencher la case, tu vois. C'est pour ça que ça c'est vraiment bien, comme ça. C'est vraiment pas mal. Et donc isTrigger, je crois qu'il y a une fonction isTrigger, non? Il n'y a pas. Ah non, c'est ça. Collider, retourne collider égale nul ou hit.collider.isTrigger. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a retourner? Ah oui. Voilà. Donc ça, normalement là on pourra bouger du coup sur le truc. Alors là on a un problème, c'est que le joueur, du coup, donc là, qu'est-ce qui se passe exactement? Il se passe que quand on bouge. Ah oui, donc là, en fait, il faudrait que ça soit genre 0,5 en fait. Non, pas 0,5 du coup. Parce que là, il se passe quoi? C'est juste avant de commencer à bouger, il envoie un ray et il est tout pile sur le truc. Enfin, je sais pas comment expliquer, genre. Donc, ça évite le TP à l'infini en gros. Ouais, c'est ça, exactement. Sinon, effectivement, ça aurait été chiant. Je vais mettre 0,9. On va voir ce que ça donne. Voilà. Oui, je sais. Parce que. Je sais. En tout cas, ça marche. Mais ça marche aussi quand on sort de la case. Ça marche aussi quand on sort de la case. Et ça, c'est normal. Parce qu'il faudrait faire commencer le ray à l'extérieur de la case où on est. Ou alors, quand on arrive sur une case, on fait un recast.
À chaque fois qu'on arrive sur une case, on fait un recast. Le problème avec ça, bah déjà, c'est que je peux que le faire dans, je peux que le faire dans character behavior déjà. Et l'autre truc, bah du coup, je pourrais pas récupérer le player si jamais j'ai besoin de télépayer le joueur, par exemple. Après, je pourrais faire, j'ai mon joueur. Ouais, en vrai, j'ai pas besoin du joueur ici en fait. Le player behavior, il y en a qu'un joueur. C'est débile en fait d'avoir fait ça un peu. C'est un peu débile d'avoir fait ça, même pour l'autre, même pour ça. Bon, à la limite, ça pour ça, ça mange pas de pain, on va le laisser. Par contre, pour ça, c'est un peu débile. Parce que le joueur, j'y ai accès. Donc. Ça aurait été mieux. Parce que si jamais je fais le jeu en multi. Je sais pas, je raconte n'importe quoi. Bah, ça, ce cas-là, sur ce que je suis en train de faire, du coup, c'est de la merde. Donc, j'ai envie de le laisser. Ok, on va le laisser. Pourquoi? Parce que. Regardez, on va faire un event. Arrive tile. On arrive tile. Donc quand on arrive sur une tile, ou on sub move end, comment l'appeler? Player over? Non. Non, non, là il faut pas qu'il y ait player dedans. Là je suis pas dans, je suis dans le character behavior là. On arrive tile. Bon, moi je comprends. Après, c'est pas très anglais, mais bon, l'important c'est que je comprenne. Donc, quand le joueur va arriver sur une tile, même s'il est toujours en train de bouger par exemple, bah ça va se déclencher. Donc c'est là, en fait, tout simplement. On arrive tile. Invoke. Voilà. Et du coup, ce que je peux faire, c'est que le player behavior ici. Le next stringer, on peut l'enlever, ça. Ça, on peut l'enlever. Next trigger, on peut l'enlever. Character.on arrive tile. Check for trigger. Et on va avoir une fonction ici, private, check for trigger. Hop. Touc. On recast sur nous-mêmes. Donc, genre, on fait un recast de 0-1 par exemple. Genre, on envoie un tout petit truc sur nous-mêmes en fait. Et ça va toucher la case sur laquelle on est a priori. Et donc comme ça, on peut faire simplement trigger.trigger this. Ok? Donc à chaque fois qu'on arrive sur une tile, on va... On va trigger, quoi. Ok? Donc là ça marche pas, enfin ça fait rien là. Et là dès que je suis dessus, ça fait. Et donc là si je sors de la case, bah ça ne le fait pas. Alors, j'ai plusieurs questions. Comment se fait-ce? Ah! Je sais pourquoi. Parce que quand on fait un check de collision, en fait, il faudrait que du coup ça soit sur un différent layer.
On va avoir le trigger layer. Ou alors, juste on dit que le layer. Attends. Collision tilemap, je peux faire un truc comme ça, genre. Collision tilemap. Et maintenant, on va dire que pour checker si on ne peut bouger, on le fait uniquement sur le collision tilemap quoi. Voilà, layer mask. GameManager.collision.instance.collision tilemap layer. Game manager public int collision tilemap layer c'est quoi déjà qu'il faut faire? Et ça marche ça? Ah ouais en fait si d'accord. Et donc là je vais mettre dans mon game manager collision tilemap et c'est tout. Et comme ça, ce truc-là, là, de l'escalier, ne sera pas sur le même layer que la détection de la collision. Ce qui fait que quand je vais faire un recast pour savoir si je peux bouger dans cette case, eh bien, il va pas toucher l'escalier, il va toucher le truc et ça devrait fonctionner. Ah, alors. Donc ça fonctionne. Par contre, je peux. Ok, mais ça c'est très facile à régler. Quand on a fait un check for triggers, on clear tous les mouvements. Character.clear move. Clear movements. Ouais, mais du coup, si c'est bon. Normalement. Voilà. Parfait. Maintenant, on va faire le TP. Le TP, il va être géré par le game manager. Pourquoi? Parce que si jamais on change de map, bah, il faut pouvoir changer la scène. Et tous ces petits mondes-là, ils vont jamais bouger en fait. Ces deux-là. Le UI manager et le truc, en fait, c'est des trucs qui vont jamais bouger. Alors, y a pas un truc. Je sais plus comment ça marche le don't destroy unload. Est-ce que j'ai oublié de le CT pour tous les trucs ou pas? Bref, bon. Dans tous les cas, ce sera le game manager qui va gérer ça. Donc, on va avoir ici une fonction dans le game manager qui va s'appeler Téléporte player. Voilà. Et qui va téléporter le joueur. Je sais, c'est assez complexe. Et qui va prendre. Alors, ça va être une fonction statique. Parce que sinon, je vais pas pouvoir la faire. Alors, le can do action, je sais pas ce que ça branle là, mais bref. Ah si, bon, ça sera utilisé pour plus tard, on verra. Bref, téléport player, donc ça prend du coup bah alors la scène éventuellement. Donc téléport player same map, enfin same scène par exemple. Voilà. Il faudra donc ça va être un vecteur 2 pour la new position quoi, destination. Et en gros, bah, player. Téléporte. Transform.position égale destination. Waouh, c'était trop dur. C'était trop dur pour deux raisons.
C'était pas dur. Alors, player, c'est ça, hein, player behavior, ouais, c'est bon. Donc là, par exemple, mon TP. Alors, comment. Est-ce que la TP. Attendez. Il a bugué là, non? Donc, on va enregistrer ça pour voir l'animation. On va voir un petit peu l'animation. Comment elle se fait? Voilà. Donc c'est celui-là. Putain, il met du temps avant de se TP, hein. Donc attendez. Hop, donc ça c'est la première frame où le. Et ensuite. Pouf, ça change là. 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 Et là, je peux commencer à bouger. Ah non, je crois que c'est. Merde, j'ai pas pris le bon truc. Hop, je crois que c'est ce test-là que j'ai fait, ouais. Hop, voilà. Donc, en gros, c'est 8 frames. 8 frames par changement. Sauf le flash blanc et le flash noir à la fin, c'est 5 frames. Bon, ça là, c'est 9. Bon, on n'est pas à la frame près, même si j'aimerais bien, mais bon. Et après, on a 27 frames avant de commencer à pouvoir bouger. Genre, on a un petit lag. Et là, pareil, je pense que le moment où on arrive. Genre là, c'est le moment où on arrive. Et on a bien aussi 8 petites frames avant de commencer à se TP en fait. Donc on a tout l'écran qui devient sombre une fois, deux fois, noir, blanc, noir. Et c'est bon. Donc tout ça va être une petite animation. Alors déjà, alors on a un problème parce que moi j'ai envie de faire un truc de manière séquentielle. Mais c'est Unity Action qu'il faut mettre du coup? On va changer Game Manager et là on a la fonction Teleport Player. Bah, ça marche pas. Pourquoi je l'ai pas? Ah c'est ça. Et donc là j'ai voilà, j'ai un dynamic player behavior machin et donc là je peux mettre ça.
je sais pas s'il me l'a compté, bref. Ah oui, parce que en fait, il marche que avec un seul paramètre, c'est ça? Bon. En vrai, il faudrait que du coup le TP il soit sur la case, non? C'est plus simple comme ça, non? Parce que les TP, il y en aura plein en fait. Est-ce que là le TP pour sortir de la chambre, c'est le même? Ouais, c'est le même, hein. On a un problème. Ok, bon, c'est les mêmes en tout cas. Donc, avoir un TP behavior, ça me choque pas plus que ça. Mais on va avoir un problème parce que là, quand on sort du tapis, on ne marche pas sur le tapis. Il faut qu'on marche sur le tapis d'abord et ensuite qu'on aille dans la direction du bas. Donc là, ça va être un truc compliqué à gérer. Je sais pas comment on va gérer ça en vrai. Ça va être un autre type de truc de mouvement, quoi, de truc de trigger. Dans tous les cas, comment on peut faire le téléportation? Ça va être un peu le bordel, mais je pense que ça, on peut le faire comme ça. Téléporteur behavior. Qui va hériter de trigger behavior. Et on va override. Le trigger. Et du coup, on peut cacher en fait le téléporteur behavior. En fait, il a pas de. Ou alors, on met le pour le base trigger. Ah, oh, ça peut être pas mal ça. Le base on trigger. Pardon. Le base point trigger, on peut l'appeler à la fin quand le TP est fini quoi. Au tapis, de toute façon, une touche appuyée. Ouais, mais non, c'est pas juste une touche. Enfin, oui, si, c'est vrai. Ouais. Ouais, si, t'as raison. Ouais, on va faire ça du coup, je pense. Bon, on verra. Pour l'instant, on n'est pas sur le tapis. Attends. Donc, là, on freeze le joueur déjà. Ensuite, on joue l'animation. On joue l'animation de fondu là. Alors, la fondue, je vais la faire de manière un peu dégueulasse, moi, j'avoue. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est pas vraiment juste une fondue au noir avec un filtre noir par-dessus. On pourrait en vrai, hein. On pourrait faire ça. Il n'y a pas un truc sur la caméra que je peux faire pour un effet de caméra. D'ailleurs, le background. Je vais le mettre blanc. Il n'y a pas un effet de caméra que je peux faire. UI Manager, Game Manager. Bon, sinon dans la caméra. Je crois que c'est que le render pipeline. Attends. Y a pas des effets que je peux rajouter? Visual effect. D'accord. Comment ça s'appelle? Pré-processing machin là.
2D, physique 2D, rendering. Y a pas un. Bah j'ai pas mis. C'est pas du 2D URP, truc comme ça, donc j'ai pas le. J'ai pas moyen de faire ça, quoi. Donc là, si jamais je crée un empty. Attends, la caméra là, c'est bien le truc vert là? Ah ouais. Ok. Donc du coup, c'est cool. Je peux créer un empty ici. Merde. Oula. Dire que ça va être mon screen effect. On va mettre full screen effect. Ça va être un sprite renderer. Ben, sprite tout blanc ou tout noir d'ailleurs. Je sais pas, bref. La taille. Du coup, bah, ça va faire la taille du. Oups. Voilà. C'est la taille de l'écran, ça, non? Ou j'ai. Non, j'ai merdé. Hop, voilà. Donc on le décale. Une case là, une case là, une case là. Le truc, c'est lui. Et c'est même devant lui, a priori. En vrai, je sais pas, on verra. On va rajouter un truc. Caméra, full screen effect. Effect. Screen effect. Ok. Est-ce que là, on voit. Bon, on le voit pas du coup. Pourquoi? Parce que. Mettre un en Z. Et là du coup on peut voilà, on peut avoir un effet avec le noir. Le problème c'est que le draw mode, enfin il faudrait que ça soit un matériel, il faudrait que ça soit une color merde, comment on appelle ça? Le layer. Putain, je suis arrivé hein. Il y a moyen de faire ça ou pas avec les matériels? Render texture matériel. Standard unlit color comment on appelle ça? C'est des modes de fusion, voilà. On peut pas changer le mode de fusion d'un truc sur Unity? Bah 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 bam. Alors attendez, Unity change fusion color mode. Blend mode, voilà. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, il faut créer un shader. Mais il n'y a pas déjà des shaders qui sont en mode additif ou je sais pas quoi là? Flare. Sprite. Non, j'ai rien.
Shader. Ouais, mais je peux pas faire de shader graph. Unlit shader. Color mode shader par exemple. On va voir ce que ça vaut ça. Oups. Materials, screen effect, je sais pas. Ok, il est où? Il est là. Quoi? Matériel. Ah mais non. Non mais non, mais il a pas compris. Comment ça? Mais non. Mais c'est débile. Mais non, mais c'est pas du tout. Ok, bon d'accord, c'est pas du tout ça que je veux. D'accord. Ah oui, donc ça c'est juste un color overlay. Mais c'est pas ça que je veux moi. Voyons voir ça. Bon, on s'en fout de la truc. Alors, there are inconsistent light endings. Ça, oui. Hop, yes. En vrai, j'aurais dû laisser Windows. Bon, c'est pas grave. Oups. Bon, ça marche pas. Donc là, mon... Ah. Alors ça fonctionne. Mais que pour le blanc, quoi. Le noir, non. Ouais, bah ça va être chiant. Yo, Carino. Bah ça avance. Ça avance, ça avance. C'est con que je puisse pas juste faire un petit effet de blend mode là. Dans les... Du côté des sprites, on peut changer. Ah! Non, non, je crois qu'il n'y a pas. Hein.
Non, tu peux pas vraiment changer des trucs ici. Bon. Bon, sinon, au pire, pour l'instant, on drop ça, hein, on s'en fout. Tant pis. Bref. Donc, full screen effect, ça sera dans le UI manager, je pense. Ou dans le game manager. Je sais pas. C'est quoi le mieux? Bah, c'est de l'UI, quoi. C'est pas vraiment du game. UI manager. Flash screen ou change ou set screen color set screen effect. Donc là on aura le sprite renderer screen effect. Donc, comment ça va se passer? Téléporteur behavior. Player.freeze. Ok. Ensuite, UI manager. Donc ensuite, on attend. Alors, c'est là où ça va être chiant. Bon, du coup, on va faire une coroutine. On va faire une coroutine pour l'animation, ça va être plus simple, je pense. Je confonds en fait tout le temps. C'est I énumérable ou I. Screen animation. On peut la mettre privée, mais il me semble qu'on n'a pas le droit. Start coroutine screen animation. C'est bon, c'est ça du coup? Donc, non, c'est ça, c'est i enumerator. Voilà. Donc retourne nul. Donc on a un yield new yield return new wait for second for frames end of frame non wait for second par exemple. Donc on a dit que c'était combien? C'était 8 frames. On pourrait juste faire une gestion de frame et tout machin, mais je pense qu'on va faire ça en secondes. Donc c'est 60 divisé par 8 pour avoir le nombre de secondes. Non, c'est 1 divisé par 60 divisé par 8. 60 divisé par 8, ça fait 7,5. Et donc 1 divisé par 7,5, ça fait 0,13. Donc on attend 0,13, 133 secondes. Ok. Ensuite, on change le screen effect. Le set screen effect color, ça va être un color.black, un new color donc de RGB donc 000 pour le noir, et en alpha ça va être je sais pas moi 0,75. Attends, il y a combien? Donc ça change une première fois, une deuxième fois foncé, et après c'est tout noir. Donc ça change deux fois avant d'être vraiment tout noir. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement mettre 0,6 ici. Voilà. Ensuite, on attend encore dans 30 secondes, on met 33. Non, pardon, c'est l'inverse. C'est 0,33, 0,66. Ensuite, on attend une seconde, enfin encore pareil, pour mettre un noir entier. Ensuite, on met un blanc pendant 5 frames. Donc c'est 60 divisé par 5. Ça fait 12 et 1 divisé par 12, ça fait 0,08, 0,083. Donc après le fondu en noir, donc le noir il y est pour. Ouais, il y est même pour plus longtemps que. Ouais, il est pour 9 frames, une frame de plus, mais bon, on va dire, on va faire comme ça. Donc là ensuite on le met blanc.
Du coup. Ensuite, on attend 0,83. On le met noir, renoir. Et ensuite, on attend re. Merde. Et ensuite, on le met transparent. On le remet normal en fait. Ok. Et comment ça, return nul? C'est ça. Bon, l'idéal de return nul, on s'en fout. Il me semble que je suis pas obligé de terminer par un return, hein. Ouais, c'est ça, hein. Je suis pas obligé de terminer par un return. Et donc là, après le fondu en noir, hop, on attend combien de frames? On attend très longtemps avant d'unfreeze le joueur. C'est fou, hein. Et je sais pas si. Donc là, on attend, genre, on va dire 25 frames par exemple. Donc 60 divisé par 25, ça fait 2,4 et. Merde. Et 1,2,4. Ouais, mais ça fait pas ça en fait pour le. Ouais, bon, je sais pas en fait. On va attendre. Allez, on va attendre 20 frames par exemple, donc ça fait 3. Et 1 divisé par 3, ça fait 0,33. Ok, donc voilà, on attend 0,33. On unfreeze le joueur. Oups. On unfreeze le joueur. On joue d'abord. Ah non, il faut d'abord jouer le truc qu'il faut, quoi. Donc base.trigger par exemple. Et le problème, c'est qu'il faut attendre que ce truc-là finisse pour unfreeze le joueur, quoi. On verra. Voilà. Alors bien sûr, il faut TP le joueur un jour quand même. Genre par exemple, dès que l'écran devient tout noir, on TP le joueur bien sûr. Ou dès que l'écran devient tout blanc plutôt. Le jeu l'avance de 16 px vers le bas. Oui, mais en gros c'est juste un mouvement vers le bas quoi. Pour la porte. Mais t'inquiète, ça c'est déjà géré aussi. Là, dans mon character behavior, je peux enqueue des mouvements. Et si je lui donne un mouvement vers le bas, il va faire un mouvement vers le bas, quoi. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Et là, du coup, bah, juste player.transform.position égale destination. Et alors là, c'est que dans le cas d'un téléporteur qui ne TP pas. Qui ne TP pas entre plusieurs scènes. C'est ça qui est chiant. Du coup, ce qu'il faudrait, c'est ici mettre la scène éventuellement. Public scène. New scène. C'est un énum. C'est un struct, pardon. If new scene différent de scene management scene manager.current scene, c'est comment on récupère la scène active? Get active scene. Y a pas un truc mieux pour dire la scène actuelle? Application.scene.level. Ah non, d'accord. Attends, il dit quoi là? Use sceneManager.getActiveScene. Bon, vas-y. Ok, sceneManager.getActiveScene. Donc, si la new scène est différente de la scène, du coup, bah, il faudra changer de scène, quoi. Oups. Donc, ça, on verra plus tard. Parce que ça va être compliqué, quoi. Je sais pas trop comment ça marche. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Il peut pas changer de scène
Ah non, c'est add. Ah non, c'est pas ça, c'est load scene. C'est quoi? Load scene by names. C'est quoi déjà? Je sais plus. Create scene, get create scene at. Bon, on verra plus tard ça. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ah non, c'est ça, c'est set active scene. Oui, mais le problème, mais non. Non, ça va pas être ça. Ça va être load scene. Et ensuite, faudra le truc. Je pense que le struct, c'est lié au build settings lors des scènes dans le builder. Ouais, en fait, c'est juste pour convertir en int plus facilement. Ouais, ok. Parce que la scène, en fait, c'est juste en fonction de où elle est dans ton build settings. C'est pas genre le fichier. Quand Unity il load une scène, il load pas le fichier scène, il load les scènes que t'as dans ton index. Ok, donc c'est ça, ouais, en gros c'est ça, d'accord. Donc il faut juste récupérer le build index. Ok. Du coup, il faudra unload la scène dans laquelle on est en fait, dans l'idéal. Mais je sais pas si. Alors, unload il fait quoi exactement? Destroy all game. Ah, c'est deprecated. Et du coup, faut faire quoi? Bah, j'imagine qu'il faut faire en async. On va faire comme ça. Comme ça. Ça se fait tout seul, je crois, quand tu loads une autre scène. Ok. Bah, en fait, non, parce que dans Unity, tu peux loader plusieurs scènes en même temps. Enfin, non, tu peux pas loader plusieurs scènes en même temps. Tu peux uniquement si t'as le don't destroy unload, etc. etc. D'accord, d'ailleurs. On va faire un script tout de suite. Maintenant que j'y pense. Hop, hop, don't destroy on load behavior. Et donc start, don't destroy on load is incroyable. Donc on aura plein de trucs. On aura le game manager qui sera en don't destroy unload. Ah, because the script class cannot be found. Comment ça? J'espère que c'est une blague. Tu fais chier Unity là. Tu peux load plusieurs scènes si tu changes le paramètre de load scène du load scène, mais de base ça remplace la scène et ça load la. Ok, ah oui, c'est ça. Il me semblait qu'il y avait un paramètre, mais d'accord, je l'ai pas vu. Ok. J'ai mal vu alors. Ah oui, donc là, à load scène, en fait, tu peux mettre un. Voilà, load scène mode, et là tu peux mettre, voilà, additive. Ok, c'est ça. C'est ça. Ok. Bah du coup le load destroy le don't destroy unload, du coup peut-être qu'il marche que pour ça quoi en fait. Donc don't destroy unload de ça. Voilà, maintenant ça marche. J'ai redémarré Unity et ça fonctionne. Va te faire foutre, vraiment, c'est un plaisir. Un gros plaisir. Don't destroy unload. Donc le joueur. La grid, elle va être destroyed, on s'en fout. Le game manager et le UI manager. Voilà, tout ça, tout ce petit monde, don't destroy unload. Pouf, voilà. Bon, mais bon, pour l'instant, a priori, nous, on aura la même scène. Si la scène est différente de la get active scène, machin, ensuite on change la position du joueur. On unfreeze, on trigger le machin, on unfreeze le joueur, et ensuite c'est fini. Start coroutine, screen animation. En fait, c'est téléporte, quoi. En fait. Ok? Ça va? Bon, ça sera dégueulasse, mais on aura un truc. Et donc là, maintenant, je reviens sur mon upstairs, stairs. On a nos functions.
Parce que là, en gros, ça va être. Ça, en fait, ça va être la. Mais je suis con. Mais non, attends, dégage. Voilà. Le truc qui va être là, en fait, ça va être le. Les actions qui vont être faites après le téléporteur. Après la téléportation, ça va être ça. Donc la destination ici, c'est la destination du joueur. Hein. Le joueur, il est là, d'accord? Donc il faut que. En gros, bah, si vous voulez, je peux prendre le joueur. Je le téléporte là où je veux qu'il soit. Il faut qu'il soit là. Et donc c'est 4-10. Voilà, bien joué. Bien joué à tous. Donc là, je prends mon stairs. Ça se TP en 4. Merde, pas du tout. Non, 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 reviens comme c'était. Voilà. 4 et moins 10. Ok? Et les stairs dans l'autre sens, bien sûr. Stairs to up et stairs to down, par exemple. Et les stairs dans l'autre sens. Eh bien, ils sont là du coup. Voilà. Et là, le joueur, il est en 4-2. Donc, CTRL Z. Stairs to up, 4-2. Voilà. Ok. Et est-ce que ça change l'orientation du joueur ou pas? J'ai pas fait gaffe à ça. Non. Le jeu n'en a rien à foutre. Ça change pas du tout la direction du joueur ni rien. Donc c'est tout. Voilà. Ah. Ça marche même plus ça? Attendez. Elle marche plus ma Super Nintendo, elle ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui se passe? Si non restrict direction ou player direction égale interaction direction. Et bah. Ah, peut-être que j'ai pas mis de dialogue. Si, super dialogue. Ah oui, je l'ai toujours pas testé d'ailleurs mon dialogue. Hein. D'ailleurs, on. Blue joue à la Super Nintendo. Bon, on y va. Bah, c'est ça. Bah alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah! Mon recast ne recast reste ça. Mon recast ne recast pas? Attends, player character. Qu'est-ce qui se passe? Space. Si Hit Collider est différent de nul et que Hit Collider is interactable this. J'ai changé un truc, j'ai un truc qui va pas là. Qu'est-ce qui se passe? Caractère direction. Bon, je peux faire direction du coup. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? D'accord, donc il veut vraiment pas interagir en fait. Donc Hit Collider est différent de nul. Est-ce que Hit Collider est différent de nul? Ah! On va ajouter une collision interactable du coup. My bad. Enfin, on va ajouter un layer, pardon, ça sera interactable. Pourquoi?
Donc ça va être tout ça en fait, tous ces trucs-là, tout ce petit monde. Alors pas ça, juste ça. Interactable. Oh, ça va être chiant de d'ajouter à chaque fois sur le layer. Bref. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand je tire un rayon là, ça touche la... Bah en fait sinon je... Bah en fait non je suis con, je suis con, je suis con, je suis con, je suis con. Hop, on me remet default. On remet default, on enlève ça. En fait là j'ai juste à dire que je ne veux pas... Mon ray là, je veux pas qu'il parte sur donc la player interactable layers. C'est tout sauf movement interaction par exemple, je sais pas. Oups. Public layer mask interactable layers. Et donc là du coup, je vais virer le layer de con. Tout simplement, hop, interactable layer, pouf. Et donc là, sur mon player, donc là j'ai bien remis tout ça bien. Default, 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 default. Et sur mon player là, je dis que mon interactable layer c'est tout sauf collision tilemap. Voilà. Bon, alors j'ai pas besoin de UI, water, ignore recast et tout parce que voilà, on va juste mettre default hein, et puis comme ça. Bon, voilà, bref, bon, vous avez compris. Ok, comme ça, je vais pouvoir interagir. Voilà. Ok, donc ça fonctionne. Ah! Ah oui, alors le screen manager n'est pas assigné. C'est tout à fait vrai. Il a pas tort, hein. Le screen effect, il est là. Touk. Paf. Incroyable. Ah! Ah! Alors, ma scène. Ah bah oui, j'ai même pas. Ah oui, non, je suis con. J'ai même pas dit dans quelle scène ça me TP en fait. Destination. Et elle est où ma scène du coup? Quoi? C'est pas sérialisé? Je veux pas que drag and drop ma scène, bah non, parce que en fait c'est la scène dans le build index. Y a pas un moyen de d'avoir un non, alors scène asset c'est le pire truc à faire. Y a pas un moyen d'avoir le scène de... En fait, ce que je veux c'est pouvoir sélectionner ma scène dans les scènes build quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai pas, en fait, le problème, j'ai pas envie de mettre int là. J'ai envie d'avoir un moyen de sélectionner une scène avec un nom, un truc bien quoi, tu vois. Y a pas moyen de faire ça? Bon, attendez. On va chercher. Pardon. Donc, Unity, scène, inspector. Scène variable, inspector. Pas ça que je veux. Ok, public scène variables. To load, voilà. Alors qu'est-ce qu'il dit lui? I am aware that is okay. Unity doesn't serialize that many tips and send is not derived from those are serializable. So having a public in front doesn't someone scriptization, non on s'en fout. Scripting API send. Autolink send in inspector, parfait. Ah c'est tout, c'est pas une question. Descript let you link send. In script using a property drawer. Ah ouais, mais vas-y, mais j'ai pas envie de. Oh, j'ai pas envie de. J'ai pas envie de rajouter un code, du code, moi. Y a pas un moyen de faire ça out of the box, sérieusement? Y a vraiment pas moyen de faire ça out of the box.
trouve ça un peu triste. Je trouve ça vraiment très triste, mais c'est la vie, hein. C'est la vie, c'est la vie. Comment il s'appelle le fichier? Sendrawer. Reload. Hop, parfait. Ça, hop. Ok. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Un instance of machin monoscript could not load didadidadidadou. T'inquiète pas, on va s'en sortir. On relance. Dommage. J'ai un warning que j'aurai toujours. Ok, du coup on arrive dans notre téléporteur behavior. On met string ici, du coup j'ai l'impression, et c'est scène. Voilà, et donc si new scène est différent de getActiveScene.name, j'imagine. New scène point... L'autre scène, new scène, et setActiveScene... Bah, j'imagine que ça le fait tout seul en fait. Bon, on verra. Ok. Donc là maintenant, on va ajouter notre scène dans notre build index. Donc scène, ça va être panel towns interiors, build settings, elle est ajoutée, scène 0. Et là, si je vais dans mon téléporteur, je vais pouvoir ici choisir mon intérieur. Ok. Et là, pareil, intérieur. Bon. Parfait. Incroyable. Il manque le son. Il manque le son. On va le chercher le son. Il est où le son? Téléporteur Hunter. Alors c'est pas ce téléporteur là. Go inside. Ça sera pour le... Alors, c'est ce son là. C'est ce son-là, mais il s'appelle Outside, donc il y a sûrement un autre. Warp. Non, merde, c'est Swap. C'est Swap, pardon, excusez-moi. La collision. Donc j'imagine que c'est le son qui est utilisé. Bah, le son qui est utilisé, c'est Go Outside, du coup. J'imagine, hein. Si on écoute bien, là, le son qui est utilisé, c'est celui-là. Ok, donc on va prendre le go outside, public, project, assets, sounds, hop, téléporte. Enfin, warp, on va l'appeler plutôt. Voilà, warp. Warp, bonjour, warp. Bonjour à toi Warp, bienvenue dans le projet. On va juste te couper un petit peu les cheveux. Hop, un petit trim là. Tranquille, on exporte. Tu es là, t'es bien. Hop, ok. Paf, non. Et pouf! Comme ça, il commence dès que je le lance, quoi. Donc on aura dans notre game manager ou UI manager, je sais pas, game manager on va dire, le son de téléporte. Game manager il est où? Il est là. Public audio clip warp audio. Public void play warp audio. Mais il est où mon audio là? Il est où mon audio?
Putain, mon audio, il a disparu. Ok. Non. Non, voyons. Stirt. Start? Start. Ouais, bien joué à toi. Play one shot. Warp audio, s'il te plaît. Merci. Ok, donc ça, on le rajoute dans le téléporteur. Quand on prend le téléporteur. Juste là. Hop. Game manager. Instance. Play warp audio. Waouh, incroyable. Ok. Il est sur le. Ah oui, mais non, il est sur le SFX. Master SFX. Ah non! Non, non, je suis con. Parce que notre audio source ici du Game Manager, c'est. C'est la musique. C'est la musique. Comment je fais ça, moi, du coup? On le fait dans lui? On le fait dans. En fait, il faudrait que ce soit le joueur ou l'escalier à la limite. Par contre, c'est fou, hein. Je fais vibrer mon bureau, ça déconnecte mon écran, ça me fait un peu peur, mais bon. Bon, sinon, je le mets dans le joueur, hein. Pff, on se fait pas chier. Le joueur, il a Master SFX. Il est branché sur Master SFX, le joueur, donc bah voilà. Go faire ça ici. Play sound. Play SFX. Ou play sound, bref. Ah! Voilà. Pardon. Audio clip. Audio. Audio. Play one shot. Audio. Ok. Donc on change. Dans Game Manager, ça ne n'existe pas. Alors du coup, il faudra changer la musique quand même à un moment donné. On aura une fonction pour changer la musique. Change music, mais bon, on verra plus tard. Touk. Et donc ça sera player.playSound. Ah oui, mais du coup, je prends quoi moi? Bon bah GameManager.instance.warpaudio. Ah, c'est le bordel, hein. Mon game manager, il a le clip. Mon player manager, il a l'audio source. Et au final, c'est mon teleport behavior qui prend les deux et qui. Ouais. Tranquille. Incroyable. Elle est pas là, maman! Donc là, j'ai ma bibliothèque, voilà, qui marche. Et donc là, si je vais sur le côté et que je fais A, ça marche pas, parce que je ne regarde pas dans la direction de la télé. Et là, la télé, oups, mauvais côté. Si je fais ça, pareil. Et là, si je lis, alors attention, j'ai pas testé encore, donc on verra si ça fonctionne. Un dessin animé, un petit garçon avec une queue de singe. Bon, j'y vais. Et bah, ça marche parfaitement, sauf que ça va trop vite. Mais ça va un peu trop vite. Parce que si vous regardez là, quand je. Là, je fais A. Hop. Et là, quand je vais faire A, vous allez voir, le truc va devenir blanc pendant assez longtemps. Et ensuite, il écrit. Mais bon, je pense que ça, c'est juste une histoire de load. En fait, je pense que c'est dû au fait que à chaque fois que tu parles à un objet dans le jeu, il load quelque chose, j'en sais rien, et du coup, il met du temps à chaque fois en fait. Moi, mon truc, dès que je lance le dialogue en fait, il parle direct. Il y a pas de petit délai.
Ça marche nickel, ça. Bon, peut-être le temps de truc est trop long, mais du coup voilà, tu vois sapin là, mon perso là, il va pas redéclencher l'escalier parce que je suis pas arrivé dessus, je me suis TP dessus. Donc si tu te TP dessus, il va pas redéclencher le truc. Alors faudra faire gaffe parce que ça risque pas de marcher pour tout. Hein. J'avoue que il y a moyen qu'il y ait des problèmes. Parce que tous les triggers ne sont pas des TP, donc faut voir après. Hein. Faut voir. Et donc là, bah y a ça à faire. Mais vous voyez que là, on a l'impression qu'il y a plusieurs salles. Alors qu'en fait, c'est dans la même map, là. Hein. On est dans la même map, là. Hein. Juste, on va de là à là, quoi. Hop. On a vu le... Bon, c'est pas ouf. Mais bon. Y'a Vol, Game Over, qui te met devant la porte du centre Pokémon. Ouais, mais ça reste de la TP. Ça reste une TP. Ça reste une TP brute. Le personnage, il se déplace pas sur le centre Pokémon. À partir du moment où c'est une TP brute, ça va marcher. Y aura pas de soucis. Le seul problème, c'est si jamais t'as un truc qui te fait bouger dans la tile ou t'as un autre event ou je sais pas quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah en tout cas, c'est très bien. Si vous voulez, on peut mettre ça à côté là pour que vous regardiez ce qui se passe. Mais voilà, en gros, là, on est dans notre truc tout tranquille. Voilà, du coup, c'est marrant de voir ça quand même, mais bon, voilà. Et donc là, hop, on se TP en haut, ouf, c'est marrant, j'aime bien. Alors, il y a 2-3 trucs qu'on pourrait faire tout de suite. C'est l'accélération du parlement, l'accélération du parlage. Bon, l'accélération du texte quand on maintient A, quoi, en gros, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs, est-ce que ça serait pas temps de s'occuper des inputs aussi? Parce que vas-y, ça me fait chier moi tout ça. Là. Je sais pas. Jump c'est space et sur le joystick c'est ça. Et genre fire 1 c'est left control. What the fuck? Parce que là actuellement j'ai boycott, non c'est pas ça. Actuellement j'ai brute force, non toujours pas. Actuellement j'ai hardcodé la touche espace dans le jeu, dans le code. Donc si je veux changer de touche ou que je veux mettre que A fasse une autre touche ou une autre action ou quoi, bah ça va être chiant. Player behavior. Vous voyez, ma touche espace là, elle est vraiment hardcodée. Donc éventuellement, ce que je peux faire, c'est ici mettre input.getButtonDown et là dire que je veux ma touche A, quoi, en fait. Vous voyez. Et dans mon... Ici, là... Déjà, je peux virer plein de trucs ici parce qu'il y en aura beaucoup qui n'en aura pas besoin. Mais là, je peux rajouter du coup, ou je peux renommer ma touche Fire et ma touche Jump. Bon, Fire, peut-être pas. Celle-là, c'est de la merde. Left Control, c'est nul. Joystick bouton 0, par contre, ça, c'est A du coup, sur mon joystick, je pense. Donc là, je vais juste renommer ça en A. Voilà. Et Espace. Ça, je sais pas ce que c'est, bouton 3. Donc ça en vrai on peut virer, mais ça du coup jump, voilà c'est espace, je peux renommer ça en A. Je crois hein, ça marche hein, si je fais ça. Donc là j'ai deux trucs A, donc là si j'appuie sur A, ça devrait fonctionner. Voilà. Et je peux aussi avec la manette. Ah, alors du coup, le dialogue là, il ne change pas, donc ça pareil, il faudrait que je fasse du coup cette condition.
Dans mon dialogue window. Ici. Hop, voilà. Il n'y en a pas d'autres, hein. Ah si. Ici. Merde. Get button down. Ah. Voilà, normalement ça devrait marcher. Donc là maintenant je peux jouer que avec ma manette. C'est bien? C'est bien? Bon. Ah, mais putain, pourquoi mon écran est mal? Ok. Maintenant, quand on appuie sur A ou B, ça accélère le dialogue. Donc ça va être dans le UI Manager. Ça va être dans le UI Manager. D'ailleurs, le joueur, on démarre où? Quand on démarre le jeu, on démarre où? Quelqu'un sait? Je me souviens plus. Bon après, on s'en fout, hein. On a le temps pour remettre le spawn, hein. Ne vous inquiétez pas. Bon, vas-y, c'est pas grave. Je le ferai plus tard. Touk touk touk. Ok. Donc là, si on appuie sur A ou B, alors B, du coup, normalement, c'est la touche Fire 2, je pense. Et sinon, ça serait... Je sais pas moi, j'ai mis espace et shift, c'est pour courir, shift. Donc je peux mettre shift. Left alt, non. Left shift, voilà, B. Enfin, B c'est pour courir, donc je vais mettre left shift. Sous la Super Nintendo? Ok. T'es sûr? Aussi bas là? En fait, moi, il me semblait qu'on. Ouais, non, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Je sais plus. C'est possible, hein, en vrai. Ouais. Mozu bien bas. Alors on n'a pas fait aussi la cinématique d'intro du jeu parce que ça peut attendre aussi. Hein. Ça va être une scène à part. On va faire une scène à part et après quand on va spawn le joueur et tout machin. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, l'accélération du dialogue. Donc l'accélération du dialogue. Ça va être dans le UI ou alors non même d'ailleurs non ça va pas être dans le UI. En fait c'est ça. Si input.getButtonDown B ou A, d'ailleurs ça marche avec les deux, hein. Eh bien, on fait deux fois la vitesse. Je crois, je sais pas. En gros, c'est ça l'idée, quoi. En gros. Mais juste le temps que. Alors c'est get button, pardon. C'est get button parce qu'on va faire ça à toutes les frames. Get button c'est while true, voilà c'est ça. Hop, voilà. Voilà, bah c'est tout. Bah je crois que c'est tout, hein. Donc là normalement si je reste tapé sur A ou B. Et pas quoi que B. MDR lol, t'as vu, super. Non non, si on reste tapé sur A, voilà. Ça va 10 fois plus vite. Alors. C'est peut-être un peu trop rapide. Et c'est tellement rapide que quand j'appuie sur A, le début du dialogue, le début du dialogue il va vite et après ça se calme. Alors par contre, ouais, c'est pas le bon bouton B là. C'est pas le bon bouton B, donc ça c'est Fire 2, on va le remettre par défaut. Et je pense que du coup Fire 3, c'est joystick bouton 2. C'est peut-être jump en vrai, hein, le B là. C'est peut-être ça. Hein. Mais en tout cas, ça fonctionne. Alors, c'est pas aussi vite normalement. C'est toujours pas ça. Bah, il est où ce bouton? Bah, c'est peut-être le bouton 2 alors. Ah, c'est ça.
Voilà, comme ça je peux aller vite sur les dialogues. Bon alors, c'est peut-être plus rapide que le jeu, hein. Mais en vrai, on réglera la vitesse, je sais pas, plus tard peut-être. Incroyable. Incredible. En vrai, si, c'est à peu près cette vitesse, hein. J'aime bien parce que là, à chaque fois que t'ouvres une un morceau de l'UI, les personnages disparaissent de l'écran, quoi. Merde, bon. Il arrive qu'un jour, le fils aimé quitte la maison. C'est la vie. Le prochain te cherche. Il est dans la maison voisine. Écoutez, est-ce qu'on finit pas par rajouter la mère? Et puis c'est bon. Et puis après, je vais faire une petite pause. Ça commence à aller vite là, on commence à aller de plus en plus vite parce que bah on développe des... Comment dire? Des manières de faire des choses simples, simplement, et pas des trucs spécifiques en fait. C'est ça aussi, un des trucs dans Unity, c'est que la plupart du temps vous n'allez pas développer votre jeu que votre jeu, vous allez développer un moteur pour votre jeu. Et si vous faites ça correctement, bah après vous avez juste à utiliser les éléments de votre moteur pour faire votre jeu, quoi. Donc là, par exemple, si je veux TP un truc, bah, j'ai fait un téléporteur behavior qui marchera tout le temps de la même façon pour tous les trucs que je vais faire jusqu'à la fin du jeu. Et du coup, bah, j'ai pas besoin de refaire un TP spécifique pour chaque niveau, pour chaque truc, quoi. Par exemple. Et c'est pareil pour les dialogues. Là, j'ai fait la gestion des dialogues qui est générique. Si jamais j'ai un dialogue dans mon jeu qui fait un autre truc, bah, je vais devoir faire un petit changement, mais sinon, voilà. Et après, bah, on a le système de tiling aussi, effectivement, qui est bien foutu et tout. On a pas mal de trucs pour faire une bonne partie du jeu là déjà. Hein. Ça va être long, mais déjà là, ce qu'on peut faire dans le jeu actuellement, c'est tout ce qui est la map, les personnages qui parlent, les pancartes, les trucs où on peut interagir. Alors pas les Pokéballs et tout pour l'instant, mais au moins les panneaux où on peut le lire, etc. Tout ça, on peut le faire. Donc là, techniquement, je pourrais passer une semaine, peut-être pas une semaine, mais je pourrais passer genre 3-4 jours à faire toute la map en entier, de toutes les tiles et tout. Et voilà, bref. Pour l'instant, je suis content. On n'a pas pris les tiles. On n'a pas pris une seule tile d'internet ou quoi. On a tout fait à la main en pixel art, pixel par pixel. Incroyable. Mais bon, c'est pas forcément c'est pas forcément le truc le plus opti. Hein. Des fois, voilà, bref. Bon. Alors, là, on va faire un truc un peu particulier, parce qu'on aura un interactable behavior, mais en fait on aura surtout un personnage, un caractère, un interactable caractère behavior, ou un NPC behavior peut-être. On va appeler ça, ouais, NPC behavior, c'est bien. Donc on va créer ça comme ça, NPC behavior. Et le NPC behavior, il a un dialogue et il a potentiellement un mouvement is moving. Donc c'est un interactable behavior. Et sauf que le interactable behavior, en fait, alors je crois qu'il est privé. On va override. Ah. Mon interactable behavior, on va le mettre virtual ici. Et on va override du coup interact. Et on va faire en fait on interact directement. Et il faut qu'il se tourne vers le joueur, en fait, c'est surtout ça. Donc le NPC behavior, il a besoin d'un type of character behavior. Ok. Et le character behavior, je crois qu'il aura besoin d'un character animation behavior. Non, même pas. Ah non, c'est le character animation qui a besoin d'un character behavior. Ah oui, ok, c'est dans ce sens-là. Bref. Et donc, quand on veut... Alors, comment on récupère du coup le joueur? Alors, il faut faire partir un ray. C'est la direction qui a. En fait, c'est le player. Je crois que c'est ça. Hein. Donc. Ah oui, il y a donc caractère. Attendez. Donc là, on va faire start déjà. Hop. Car.
Hop. Hop. Et donc ça va être player.transform.position moins transform.position. C'est ça, non? En normalisé, bien sûr. Oups. Je sais plus. Je sais plus comment ça marche. Et donc après, on fait... Qu'est-ce qu'il y a? Normalize. C'est une... Qu'est-ce qu'il y a? Void. Normalize. Non, c'est normalized. Avec un minuscule. Voilà. Et après, on appelle le onInteract. Et une fois que le onInteract est fini, ouais, mais comment je peux savoir que le onInteract est fini? Le personnage, alors on a vu là pour la... Je sais pas en vrai. Sinon on dit que quand elle est idle... Là on peut mettre du coup un direction idle direction par exemple. S'il y a une idle direction. Est-ce que tous les personnages du jeu sont comme ça? Ça c'est un truc à voir aussi. Par exemple là si je sors... De la maison. Parce que regardez, en fait, là, ce que je veux faire, c'est regarder. Là, la mère, si jamais je lui parle. Regardez. Hop, elle se remet tout droit vers la table. Est-ce que c'est le cas de tous les PNJ qui bougent pas? Il me semble que lui, il bouge pas. Ah non, ok, bon, bah, c'est dead. Si je rentre là, par exemple. Vous voyez? Celui-là, par exemple, il bouge pas. Ah non, mais c'est la maison du professeur Chen! Je suis con. Oui, c'est là où je voulais aller, pardon. Ok, par exemple, regardez, celle-là, elle bouge pas. Elle lit, quoi. Donc là, si jamais je lui parle. Elle se remet. Mais est-ce que. C'est quoi cet un. Ce comportement, il est dû à quoi? Et d'ailleurs, là, on peut lire le truc, je crois. Parce que là, le seul moyen de dire, en fait, le seul moyen de savoir que l'interaction est finie, c'est quand la boîte de dialogue se ferme. Et ça, malheureusement, j'ai aucun moyen de l'avoir ici, en fait. Ou alors, c'est quand le joueur est unfreeze. Et du coup, le player... C'est le player qui a interagi. Hein. Interacted. Player. Interacteur. Comment on dit un interacteur? Interacteur, player. Bon, interacteur. C'est bien, interacteur? La personne qui interagit. Donc si interacteur est différent de nul et que si interacteur est différent de nul, on update parce que ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose. Sinon, si c'est nul, on se remet droit. Mais eux, ils se remettent droit pas direct après quoi. Après, moi, je pourrais faire en sorte qu'ils se remettent droit direct après. Mais j'ai l'impression qu'il y a des cycles en fait, enfin, un espèce de cycle, je sais pas. C'est tous les 3 secondes, il check pour remettre le NPC le NPC droit, tu vois. Oups. Je pourrais faire ça, mais du coup. Bref. Comment ça, cette direction? Ah oui, idle direction. Oui, alors, ok. Donc là, peut-être que ça a du sens de faire la fonction cette direction
Du coup, ça serait dans quel sens alors? Ça serait dans l'autre sens, carrément. Ok, donc là on a un NPC behavior. Si jamais l'interacteur n'est pas nul, on remet dans la idle direction. Mais on fait ça toutes les X frames quoi, c'est ça le truc en fait. Il faudrait faire ce check toutes les X frames peut-être. Donc si l'interacteur est différent de nul, si le interacteur est frozen, ok. Player. Public bool frozen. Ok. Si le interacteur est frozen, ça veut dire qu'il est toujours en train de lui parler, donc on s'en fout. On fait rien. Par contre, s'il est plus frozen, alors le interacteur, il devient nul. Et du coup, bah, on peut faire ça en fait. Voilà. You see? Bon, c'est très spécifique ça comme comportement. Ça m'embête un peu de faire ça comme ça, mais bon. Et donc là, bah là, on va faire le sprite de la maman. On va ouvrir le player, parce que je pense qu'on va mettre tous les sprites sur le même. Peut-être, je ne sais pas. Pour les PNJ, il y a aussi le comportement moving around pour se. Ouais, mais ça, pour l'instant, du coup, je vais le faire pour les autres. C'est pour ça que là, j'ai mis le. C'est pour ça que j'ai mis le booléen. C'est pour ça que j'ai mis le booléen is moving. J'ai mis un booléen is moving pour savoir s'il va devoir se déplacer ou quoi, tu vois. Et d'ailleurs, le set direction ID de direction, c'est que si il n'est pas moving. Ok. Alors, le problème avec la mer, c'est qu'on voit rien. On voit pas les animations de marche en fait. Mais il y a moyen qu'on va retrouver ce sprite ailleurs, peut-être. Et surtout là, en fait, le problème, c'est que là, si je lui parle comme ça, bah je vois pas, hein, si. Bah oui, non, ils sont décalés du même. Non, je suis con, ils sont décalés du même truc, donc. Ah, sinon, je peux faire ça. Oh! Ah oui, et du coup, Ah bah, du coup, mon truc il marchera quand j'ai le menu en pause. Vu que mon personnage il est frozen, bah, il va pas se retourner du coup. Donc. Bon. On va pas faire tous les personnages pixel par pixel. On pourrait en vrai, hein. Moi, franchement. Ça me va, c'est tellement chill de faire de la recopie de pixel art là. Tellement, tellement chill. Mais bon, on va pas non plus passer 107 ans sur ça. Bon, on verra le jour où j'en ai marre. Le jour où j'en ai marre, quoi. J'ai l'impression que les personnages, ils sont que en deux couleurs. Il n'y a pas les autres couleurs. Enfin, le gris surtout, le gris foncé là, il y est pas. C'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi. Ok. Donc, ça, c'est la direction ici. Alors, du coup, le sprite, je vais l'enregistrer dans Characters.
Voilà. Ok, donc ensuite. Oups. Hop, donc là il est tourné dans cette direction. La 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 la. Très bizarre là le truc. On va avoir ça. De deux. Non, c'est direct comme ça. Hein. Hein. Pourtant, j'ai aucun. J'ai raté aucun pixel là. Hein. Ah non, c'est là, il y en a qu'un, pardon. My bad. Oups, alors là on a un problème. Là on a un problème, il manque un pixel, là, pourquoi? Ah, parce que là... Il y a un 1, 2, 3 pic. Et donc l'excroissance là, l'excroissance. Le chignon, le cheveu, pardon, il dépasse là. Ok, bah c'est ça, globalement. Globalement comme ça. Et après, du coup. Alors attends, on va faire ça comme ça. Et après, pouf, pouf. Pouf. Voilà. Ok. Donc ça sera exactement la même chose pour le. De l'autre côté, quoi. Et il manque plus que la vision vers le haut. Sachant que RPG, c'est le produit d'une équipe d'au moins 10 personnes. Ouais, bah de toute façon, le plus long dans RPG, c'est pas le jeu, hein. Le moteur de jeu, tu le fais. Tu le fais relativement rapidement, le moteur du jeu. Le plus long, c'est surtout faire l'histoire, écrire les dialogues des personnages, faire les sprites. C'est vraiment tout ça les plus longs. Hein. Le jeu, vraiment, c'est accessoire à côté. Merde, c'est juste ça? Non. Je suis con, il n'y a pas de truc là. Pas de truc là non plus. Donc ouais, l'équipe est justifiée pour ça quoi. Mais sinon, le jeu, en termes de dev, il y a quasiment rien. Hein. Alors là, le problème c'est qu'on voit pas. Ah bah non, du coup c'est comme ça. Ah! Non, il y en a un trop là. Voilà. Et du coup. La chaise est là, là. Et là, la chaise est là. Donc, non, c'est comme ça. Hop, voilà. Toute façon, on verra avec le X là.
Non, bah c'est ça. Voilà. Donc voilà, on a fait les quatre directions. Maintenant, on va les importer. Alors, du coup, là, il faudra changer les sprites pour le joueur, malheureusement. Mais bon, au moins, là, on a tout au même endroit, je trouve c'est mieux. Alors, sprite, ça va être 16. No filter, pas de compression. Multiple. Sprite, apply, slice, by cell count. On est sur du 4, 3, 3. Ça fait 7 et 4, ça fait... je sais pas compter. Ça fait 10, d'accord. Et 2 euros du coup. Smart center. Non, top left. Top left, très important. Hop, slice. Ok, on applique. On ferme. On supprime notre player. Pouf. Pouf. Delete. Et maintenant notre player sprite sheet, il va se faire tranquillement avec le caractère. Donc, caractère 0, ça va être le down normal. C'est ça, hein. Ensuite, celui-là, c'est le up. Merde. 3. 3. Ensuite, donc là, je peux faire 1, 2, 4, 5. Ensuite, c'est gauche et droite. Donc gauche, et après j'en ai que 4, donc c'est gauche, c'est 7, 8, 9, c'est ça? Non, c'est 6, 7, 8, 9. Donc, toc, 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 toc. Ok. Et du coup, le joueur, maintenant, n'a plus de sprite. Donc, on lui donne un petit sprite vers le bas. Voilà, pour qu'il y ait un truc. Après, quand tu dois faire le jeu en assembleur, son moteur de jeu, ça commence à prendre un peu de temps. Ah, bah, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais en vrai, ils ont sûrement fait. Ouais. Oui, non, c'est sûr que le jeu, là, il a pas duré quelques mois. Hein. Et donc là maintenant, on va avoir une nouvelle sprite sheet, character sprite sheet, qui va être la mom sprite sheet. Donc le down, a priori, bon, on va mettre que 1, voilà. Et du coup, ça c'est down, enfin up, truc et truc a priori. Donc down, up, truc, truc, voilà. Comme ça, on a que les directions en fait. On a que la direction. On n'a pas besoin de faire une animation ou quoi que ce soit. Et maintenant, on va créer un caractère. Le caractère, c'est ça. On va dupliquer ça. On va le mettre là vite fait pour voir un peu. Et là, on va faire ce qu'on appelle dans le jargon un préfab. Sais pas pourquoi je parle soudainement. Bref. On va faire un préfab. On va ajouter le caractère là-dedans. Comme ça, si jamais j'ai besoin de faire un caractère à un moment donné, pouf! Je fais ça. Mais encore plus, moi je vais mettre un NPC caractère. Donc là, on va rajouter le NPC behavior. NPC behavior. Allô? Donc là, je vais aller dans mon. Attends, je vais aller dans mon préfab. Voilà. Mon caractère, il est comme ça. Start direction down, move time step, machin, machin, on s'en fout. Le caractère object, c'est lui-même. Dans le cas d'un NPC, en fait, ça va être lui-même. Et le sprite sheet, c'est ça qui va changer, en fait. Ça va changer, d'accord? Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais faire là? Oui, mon script, il est pas lu? NPC behavior. NPC behavior.
J'aime bien, c'est... D'accord, bon, bah... Script, NPC behavior. S'il te plaît, fais un effort, Unity, vraiment... C'est fou quand même que le truc, il soit une... Je comprends pas pourquoi il y a ce genre de... Pourquoi il y a ce genre de bug, je comprends pas. J'utilise même pas Unity en mode... Très, de manière très hardcore et tout, genre vraiment, c'est incompréhensible. Ok, donc il a un box collider 2D parce que l'interacteur en a besoin. C'est pas un trigger. Voilà. Et donc là, is moving. Bah on s'en fout, ça va dépendre en fait. Mais le NPC behavior, on va le mettre là. Voilà. Et c'est tout. Et comme ça, j'ai un préfab tout fait d'un NPC caractère. Voilà, qui est ici. Et si jamais j'ai besoin d'ajouter un NPC caractère pour par exemple faire la maman, je me mets là. Je le reset la position. Je le déplace ici. Très bien, sur sa petite chaise. Donc, le sprite, ça va être celui-là. On va mettre la sprite sheet, la mom sprite sheet. NPC, ça c'est bon. Le is moving, non. Idle direction, left. Restrict direction, non. Bah non, ça en fait, il n'y en a pas en fait pour les NPC behavior. Alors c'est un peu bête du coup d'avoir ça, mais ça n'a pas d'intérêt pour les NPC behavior. On s'en fout. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Ok. Et là, je rajoute un dialogue. Donc on va avoir dans le jeu des dialogues. Mom dialogue. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon. Donc mère, deux points. Bon. Il arrive qu'un jour, le fils aimé quitte la maison. Quitte, oh, quitte la maison. C'est la vie. Ensuite, ça change de dialogue. Donc là, nouveau dialogue. Le prof Chen te cherche. Il est. Alors, il est santé. Ah si, pardon. J'ai mis pause. Il est dans la maison. Voisine, il est dans, oula, dans la maison. Alors là, on va avoir un problème dans tout ce que j'ai fait là. Dans la maison voisine. Et c'est tout. Voilà. Et donc ça, c'est le dialogue de la maman. Donc on va aller dans downstairs. Ah merde, elle est où maman? Elle est là. Pouf. On va l'appeler mom. Et on va dire que là, ça va être un game manager qui va Alors là, on aura un problème en fait. Oh non, c'est le UI manager d'ailleurs. On va voir un problème parce que. Ok, on verra ce que ça fait, mais qu'est-ce qui se passe du coup, vu que je le détruis pas? Donc dialogue. Mom dialogue. Et voilà. Donc là, ça va marcher. Nickel. J'ai tout géré pour que ça fonctionne bien. On a un problème cependant. Dans le dialogue, je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a un U apostrophe. Et donc actuellement, on a dans nos sprites le UI sprite sheet, on a le U apostrophe. Ok? On l'a le U apostrophe. Le problème, c'est que je ne l'ai pas lié. Il est là. C'est ça, c'est le U apostrophe, ok? Le problème, c'est que je ne l'ai pas lié spécifiquement à un caractère. Donc c'est là où on va devoir changer ça. Donc ça, c'est un spécial caractère. Normalement, dans ma font sprite sheet, j'ai mis un deuxième truc spécial apostrophe cards. Ok? On va regarder dans quel ordre c'est. Hop. Je les ai mis dans l'ordre. Donc C, D, J comme ça. Et donc le U, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est le dixième. Et donc pour ça, on va regarder dans Dialog Window.
Et là, c'est ici qu'on affiche notre élément. Ok? Et là, pour ce faire, on va regarder le caractère. Elsif C, merde, est égal à un des caractères. Donc en gros, je peux faire je peux faire un truc comme ça. Donc on a C, D, on a quoi d'autre? C, D, J, L, M, N, C, D, J, L, M, N, P. Bon, après, je peux faire une regex en vrai. On peut faire une regex. Vas-y, on va faire une regex. If regex.match C.toString. J'imagine que ça fonctionne. Non, il veut pas. Ce qu'il faudrait en fait, c'est. Il faudrait prendre. Les deux caractères en fait. Bref, on t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Donc on va faire un toString. Enfin, je sais, j'aime pas faire un toString comme ça, mais bon, bref. Qu'est-ce qui se passe lui là? Connais sa manette ou boule? Oui, bah. Success. Salut! Bilouz, parti. Ouais. Ouais, c'est cool. Et ouais, pour l'instant, je m'en sors. Tout va bien. Tout va très très bien. Alors attends, je finis ça. Donc, si. Et else. Donc là, comme ça, il n'y a pas besoin du continue. Et ici, du coup. Donc là, si jamais mon caractère, du coup. Pardon, j'ai oublié de le faire. Mais du coup, c'est le pattern, c'est ça. Donc, c'est. C, D, J, M, N, P, c'est quoi? C, D. Non, C, D, J, L. C, D, J, L, M, N, P. S, T, U, Y. Alors, S, T, U, Y. Le problème, c'est que le S, on a aussi le cas où l'apostrophe, il vient avant. Mais a priori, ce cas-là, en français, ça n'arrive jamais. On va voir. Mais bref. Ah oui, mais je suis con parce que là, il faudrait que je fasse le cas pour chaque lettre. Alors, c'est nul ça. Ok, on va faire un truc. On va faire dans notre font spreadsheet, on va virer font. On va virer le S. C'est lequel le S? C'est celui-là, je crois. Non, ça c'est le U. C'est le T. C'est celui d'avant. S. Voilà. Celui-là, on le vire, ok? Celui-là, on le dégage. Delete. Donc là, maintenant, on a le T apostrophe et on a le S apostrophe, mais pas celui avec l'apostrophe avant, ok? Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire notre tableau. Regardez, on va faire un new char, donc on va faire un tableau de caractères avec toutes les lettres qu'on a. Donc C, D, J, L. M, N, P, S, T, U, Y. C'est ça? Mais pourquoi Y d'ailleurs? N, M, N, P, S, T, U, Y. C'est ça. N, M, N, P, S, T, U, Y. Ok? Donc là, ça nous fait un tableau de caractères. Qu'est-ce qu'il y a pas? Oui, je sais. Point. Contains. Donc ça, c'est une extension qu'on peut utiliser normalement. Non. Index of, pardon. Index of. Non, find index. Non, s'il te plaît. Non, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. S'il te plaît. Je peux pas avoir. First. Mais first, ça renvoie pas l'index. Y a pas un truc avec index dedans? Tu te fous de ma gueule? At. Element at, non. Index of. Il me faut la fonction index of. Elle n'existe plus. Mais là, je suis dans tous les trucs de link. Mais sérieusement, on va là. Ok, on va convertir en toList. Et maintenant, j'ai un index of. Ok. Index of. Oula. Donc, ça, du coup, on va le stocker. Va le stocker quelque part.
Ah non, sinon. New car machin machin. Index of C is int. Ah oui, mais non. Bah non, ça marche pas mon truc. Ok, bon. Int. Donc ça, je vais remettre le continue. Voilà. Int. Int. Index, par exemple. Ok. Hop, voilà. Donc. Là, ça nous récupère l'index. Et c'est moins 1, je crois. Index of renvoie moins 1 si jamais le truc est là. Donc là, si index est supérieur à 0, ou égal à 0 d'ailleurs, on va écrire seulement si après, il y a un apostrophe, bien sûr. Et que. Alors, ça va être quoi? Ça va être currentText.length. Donc, ça va être i. Pardon, ça va être i. Et que i est inférieur strict à currentLength moins 1 et que currentText de i plus 1 est égal à une apostrophe. Ok. C'est quoi dans l'extension pour afficher toutes les fonctions, s'il te plaît? Après, je suis sur Mac, donc ça marche peut-être pas. Ouais, là en fait, c'est le logiciel que j'utilise, ça s'appelle Visual Studio. C'est un truc bah, pour Windows, quoi. C'est Microsoft qui l'a fait. Mais sinon normalement avec VS Code ou n'importe quel éditeur de texte IDE tout ce que tu veux tu les as hein, ce genre de truc c'est pas quelque chose de très compliqué à avoir mais là ouais là c'est IntelliSense ouais effectivement donc current texte de i plus 1 égale un apostrophe alors là on est dans le cas où il faut écrire un apostrophe au lieu d'écrire un truc si vous voulez pour ceux qui sont un peu décontenancé par ce que j'ai écrit, je peux mettre ici un tile. Tile. Ok. Il me dit quoi là? Oui, d'accord, t'inquiète. Comme ça, ici, on peut mettre tile là. Par défaut, ça va être ça du coup. Et là, si jamais l'index est supérieur à 0 et que i est inférieur à la moins de moins 1 et que currentText de i plus 1 égale un apostrophe, eh bien on change avec l'index l'apostrophe. Et donc là on va faire tile égale uimanager.instance.fontspritesheet.spécial apostrophe car de index. Incroyable. Et faut pas oublier, faut pas oublier de faire i plus plus i. Eh oui. Parce que l'apostrophe c'est le caractère d'après. Ok? Et donc, si c'est l'apostrophe, le caractère d'après, eh bien, on ne va pas écrire l'apostrophe en plus, sinon on va avoir doublon, quoi. Donc voilà. Alors là, je recrée un objet tile pour tous les trucs. Donc, si jamais il y en a qui sont pas contents aussi, on peut mettre ça comme ça, int index tile tile, et comme ça, on est content. Voilà. C'était pas bon. C'est pas dur, mais faut quand même le gérer, quoi. Parfait. Ça devrait être bon. Let's go. Et là, on le voit, le quin, il fonctionne. Alors, par contre, pourquoi je peux marcher? Ah bah oui, parce que ma mère, elle n'est pas dans dans le layer de tilemap. Ok, donc là on aura un problème. Ah bah non, on n'aura pas de problème. Parce qu'en fait, le NPC, il faut que il ait deux hitbox.
Il faut qu'il ait le hitbox du caractère du. Ok, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On va ouvrir ici le truc, on va créer un deuxième truc qui va être la hitbox collision. Collision hitbox. On va la mettre sur le collision tilemap. Je sais, ça n'a aucun sens, ce n'est pas une tilemap. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer ça en collision. et là, on va ajouter du coup un box collider 2D qui va être du coup ici. Voilà. Et puis voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Comme ça, on pourra rentrer en collision avec maman. Voilà, comme ça. Comme ça, je. Voilà. Et donc là. Putain, mais je peux pas bouger. Ouais, bon, c'est le joystick, c'est un peu de la merde le joystick, mais bon. Et donc là, à chaque fois, je lui parle. Alors, donc là, c'est. Donc ça marche quand elle se retourne comme ça, mais. Alors pourquoi ça marche pas pour le bas? Pourquoi ça? On est d'accord qu'il y a juste littéralement 2 secondes, ça n'a pas fonctionné. Oula! Mon personnage était bloqué, mais il essaie d'avancer de l'autre côté. What the fuck? Donc il y a un box collider, t'avances pas en gros. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais on est d'accord que tout à l'heure ça n'a pas fonctionné là. Bon bah voilà, on a un petit NPC là. Bon, elle se remet rapidement, elle se remet direct dans sa position neutre, aïe, dans sa position idle. C'est pas comme ça que ça marche normalement dans le jeu. Il y a un petit temps d'attente, mais le temps d'attente il varie en fonction de je sais pas quoi, donc je sais pas. Restart, essaye. C'est pas la première fois. Bah ouais, j'avoue, c'est une bonne idée, mais je comprends vraiment pas si c'est que la première fois. Ah ouais. Ok, bien vu. Mais alors pourquoi maintenant? Va savoir. Va savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a 0 ou un trou false à initialiser. Comment ça? Non, non, parce que là, la fonction interact, c'est ça qui est appelé quand tu appuies sur A. Et là, tu as un set direction. Et ah, alors attends. Le seul truc que je vois. Le seul moyen que je change pas la direction, c'est si jamais la direction c'est la même. Mais là c'est pas le cas là. Y a une valeur qui change puis ça fonctionne définitivement après. Ouais mais. Le seul moyen que je tourne pas le sprite, c'est si jamais la direction c'est la même. Ah! My bad. Ok. Ah ouais, alors ça c'est chiant par contre. Bon, faut pas que j'oublie quoi. J'ai trop de trucs à setter là. En fait, je dois setter le left et le sprite. Et le idle direction.
Mais il peut tout récupérer du d'une des sources, quoi. Ok, donc c'est ça le problème. C'est ça le problème. Par contre, attends. Y a un moyen de. Parce que regardez, le NPC Behavior. Admettons qu'on fasse ça toutes les 5 secondes. Ça devrait aller, non? Donc là, je mets un petit timer. Public float. Idle time check. Idle check time. Ou intervalle plutôt. Je sais pas. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'est fait dans le jeu, mais. On verra. Voilà. Bon, au moins ça fera un truc un peu comme le jeu. Bon. Donc là, je mets 5. Comme ça, toutes les 5 secondes, ça checkera si jamais je suis toujours en train de lui parler ou pas. Et en fonction de ça, bah. Voilà. Et donc en fonction de voilà, en fonction de bon. C'est nul, mais c'est plus proche du jeu. Bon, c'est peut-être pas 5 secondes, mais bref. Parce que là, c'est vraiment là si ça tenait qu'à moi, je ferais un random, hein. Je ferais une fois que j'ai fini de lui parler. J'attends un temps random entre 1 et 5 secondes et je retourne quoi. Parce que littéralement, regardez le jeu, hein. Regardez le jeu comment il marche. Donc là, tu lui parles, machin. Et là, regardez. Toc. Ok. Donc là, on a attendu peut-être 2 secondes, 3 secondes, comme ça. Et là, regardez maintenant. Hop! Instant. Donc je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a un timer ou un cycle qui tourne en permanence. Et qui check si jamais le PNJ est toujours en train de parler au joueur. Et si jamais il est toujours en train de parler au joueur, il fait rien. Et si jamais il. Machin. Enfin bref, vous avez compris. Donc du coup, bah. On va faire comme ça. Je sais pas c'est quoi le timer. Hein. C'est peut-être 5 secondes, c'est peut-être 4, c'est peut-être 2. J'en sais rien. Bon. Bah en vrai, on a fait toute la maison là. On a fait toute cette maison. Ça nous a pris 3 jours. Maintenant, on va devoir faire cette maison. Let's go. Non, mais bien sûr, ça. Non, je rigole. Ah oui, alors si, il y a ça. Le nom du joueur. Le nom du joueur. Donc, le joueur, il a un nom. On peut faire ça. Allez, on peut terminer par ça. Et moi, je vais faire une pause. Je vais faire une pause. Non, mais bien sûr, ça va pas prendre 2 jours hein, pour toutes les maisons. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a fait un moteur de jeu en 3 jours. Maintenant, là, on va pouvoir faire plein de trucs beaucoup plus rapidement, quoi. Je sais pas moi, player, j'en sais rien. Donc on va voir le nom du joueur. Normalement la pancarte est de face. Oui, j'ai pas testé là, c'est juste. Ah non. Oh, tu peux la lire de tous les recoins. Donc on a le nom du joueur et le dialogue de la mom, il faudra le remplacer. Quand on définit un nouveau dialogue dans le texte ici, dans le add texte. Ah non, c'est au moment où on le lit du coup. C'est le moment où on le lit. Donc bah là, il faudra le joueur en fait. Il faudra le joueur. Et voilà, maintenant c'est l'étape où tu reproduis juste la map identique et dialogue pour chaque PNJ. Alors, pas tout de suite, mais je pourrais le faire, effectivement. Je pourrais le faire pour toute la map. Mais on va pas faire ça tout de suite. En fait, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire zone par zone, tout simplement. Donc je vais pas d'abord faire toute la map et ensuite machin. Mais par contre, ouais, genre tout à l'heure, après manger, ou ce soir, ou je sais pas quand, on va faire tout le bourg-palette. Avec les maisons, les PNJ, les panneaux et tout. Et au moins on aura tout ça déjà de près. Mais là, on a un problème, c'est qu'il va falloir remplacer le nom de joueur par le nom de joueur.
Il devrait écrire, quand il a un pancarte derrière, Maison de Bleu. Du coup, on a le nom du joueur. Le nom du joueur, c'est Static, a priori. Est-ce que vraiment on fait un truc statique pour le nom du joueur? Je sais pas parce que j'ai envie de. Ouais, non. En fait, ouais. Je vais pas faire le jeu en multi en vrai. Parce que là, je me suis dit, est-ce que je ferais le jeu en multi ou pas? Est-ce que du coup, ça a de l'importance? Est-ce que ça a de l'importance ou pas, quoi? Ce jeu officiel, c'est un alias player name dans le dialogue à l'ancienne. Ouais, bah c'est ce que je vais faire, hein, c'est ce que je vais faire, je vais être obligé de faire ça. Mais est-ce que du coup je chope le nom du joueur de manière statique? Je pense que oui, hein. Le player, il est utilisé là? Non. Je pense que je vais le faire de manière statique, hein. Donc c'est-à-dire que quand j'ajoute le texte, je remplace directement toutes les occurrences par le nom du joueur ou simplement au moment où on lit, donc c'est-à-dire au moment où on... Neuf... Ah ben non, je suis con, la window elle s'affiche. Au moment où... Ah oui, non, le add text se produit au moment où... Oui, donc c'est ça. Donc là, voilà, text égale text.replace player. Voilà, a priori. GameManager.instance.player.name. Va être juste ça, hein. On va pas se prendre la tête plus que ça. Et du coup, il y a un truc à changer. Il faut remapper le The Global Namespace. Pourquoi j'ai deux? Qu'est-ce que j'ai branlé? C'est quoi ça? C'est mon character behavior. Ah merde, mais j'ai renommé. Mais... J'ai renommé caractère behavior. Je suis con. Oh putain. Oh s'il te plaît. Dis-moi que t'as tout rechangé. Oh, il devrait pas faire ça, hein. On devrait pas pouvoir renommer une classe. C'est de la merde, ça, hein. En fait, là, j'ai fait CTRL R comme ça pour renommer changer le type là, mais je voulais pas renommer la classe quoi. Ok, ça m'a fait peur, c'est bon. Toc. Le player, il est là. Et donc là, regardez, player name, je peux lui mettre par exemple WRadion, tu vois. S'en fout. Et donc là, maintenant, si je vais parler. Ah non, c'est la console, pardon. Donc là, la console, si je lui parle... Ah bah non, il faut que je change, je suis con. Faut changer le dialogue, du coup. Dialogue, palette town. Donc, bookcase, il n'y a pas de truc. Là, il n'y a pas de bleu. Super Nintendo, et donc là, voilà. Là, il faut juste remplacer ça par player. Et voilà. Et là, hop. Double dragon joue à la Super Nintendo. Alors, problème, c'est que si mon nom de joueur... Alors, a priori, le nom du joueur... Il est limité à 8 caractères, je crois. Ce qui fait que là, par exemple, ça rentrerait pile. Donc voilà. Est-ce
Essaye 8W. Parce que là, le problème, c'est que ça va bugger en fait. Si jamais je mets vraiment beaucoup, ça va bugger quoi. Voilà. Bah, j'espère que du coup ils ont pensé que pour que leur jeu. Ouais, je sais pas comment ça marche du coup. Est-ce que si jamais dans le jeu on s'appelle un truc, est-ce qu'il met à la ligne automatiquement ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Le nom maxima c'est 8. Ouais, donc je sais que ça passe avec 8. Parce que là j'étais avec 7 et il manquait juste un truc de place. Donc ça marche avec 8. Ça marche avec 8, mais le problème c'est que bah potentiellement ouais, je sais pas si c'est tout le temps comme ça. Ouais, c'est bizarre des fois, hein. Il fait des mouvements bizarres. Hein. Après là c'est parce que je suis à la manette donc je pense que le jeu gère les line rate automatiquement. Ah ouais, tu penses? Parce que là, regarde, bon, il y a de la place pour mettre heal sur la ligne. Tu vois, donc je pense qu'il y a un mix des deux en fait. L'animation de déplacement qui continue quand on est en interaction, ça c'est juste à cause du freeze. A priori, le frozen, dès qu'on met en frozen, on devrait tout couper, hein. Ça arrive comment du coup? Ouais, bon. Alors je peux faire un truc simple, mais moche. C'est ici. Ah mais non. Le caractère, il a pas le frozen. C'est le player. Donc bah juste dans player, quand je freeze le joueur, je coupe tous les mouvements. Reset mouvement. Current mouvement égale 0. Et du coup, un on-end mouvement. On appelle un petit on-end mouvement ici, par exemple. Et cette fonction devrait être publique, du coup. Et là, freeze. Caractère. Point reset mouvement. Qu'est-ce qui se passe? L'animation, elle marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Parce que reset mouvement est appelé. Ah putain, parce que reset mouvement est appelé à chaque fois. Ok, bon. Ok. Bon, ça sera pas reset mouvement, alors ça sera cancel mouvement ou stop mouvement. Voilà, ici ça reste privé. Et là, public void cancel movement. Current mouvement start movement.
Start movement, caractère, point position. Tadada. Cancel mouvement. Current mouvement égale machin. Start movement égale vector 2.0. Bon, non pas que ça change, mais bon. Et donc là, cancel mouvement, ça fait un reset mouvement plus onMoveEnd invoke et if characterObject.transform.position. Non, if pixel mouvement est supérieur à 0, characterObject.transform.position égale start mouvement. En gros, on cancel le mouvement vraiment instant, quoi. Donc, si jamais on est en train de bouger et qu'on est en train d'aller sur une case, eh bien, ça va nous retaper sur la case où on était. Bon, non pas que ça soit utile dans le jeu, on verra. Mais au moins, ça devrait faire ça. Donc là, du coup, stop mouvement. Ah merde, c'est cancel mouvement, du coup. Au moins, là, on est sûr que on bouge pas, on reste là où on est, et en plus, on stoppe l'animation et tutti frutti, quoi. OMG. Qu'est-ce que c'est? Ok, alors bon, attends, mais pourtant move il est appelé à chaque fois que je bouge. À chaque fois que je bouge, move il est appelé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Qu'est-ce qui s'est passé? Mon start mouvement. Ouais, la mère qui TP dans la chambre là. Pourquoi ça a fait ça? Bon, c'est de la merde, en gros. On va pas le... En fait, je l'ai fait parce que je me suis dit que si jamais je fais n'importe quoi, il y a moyen que ça fasse de la merde. Mais en vrai, pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de cette mécanique de cancel un mouvement. Il n'y en a pas besoin. Mais bon, ça pourrait servir en vrai. Blue. On va s'appeler Blue. Merde. Je suis même pas sur la grille là, what the fuck. Ah, c'est même pas la bonne grille. Bref. Hop, voilà. Bon. J'ai trop envie de faire la map là. J'ai trop envie de faire toute la map et tout. Mais on va faire une pause. Ah, salut Malbeauté. Eh bien, tu arrives au moment où je vais arrêter. Mais ouais, pour l'instant, donc attendez. Voilà, on va faire un petit résumé de ce qu'on a. Donc actuellement, on a quoi? On a les déplacements de... Alors pas seulement du joueur, on a les déplacements aussi de tous les personnages qu'on aura dans le jeu en fait. Ça c'est géré. C'est géré en entier. Il n'y aura plus besoin de faire grand-chose avec. On a la gestion des collisions. Ok. Alors là, mon personnage est décalé. Ok, on a un petit problème de personnage qui est décalé là. Pourquoi mon personnage est décalé? Ah oui, ok, my bad, je l'ai décalé sans faire exprès. Ok, voilà. Donc là, on a le personnage, la gestion des collisions, la gestion de l'interaction avec des trucs, les dialogues, la gestion des dialogues, la gestion de TP à des endroits, la gestion d'un NPC à qui on peut parler. La gestion du personnage qui se remet bien droit, la gestion de plusieurs dialogues, la gestion de... On peut mettre plusieurs trucs sur le côté,
Et voilà. Bref. Pas mal. On a la musique, bien sûr. On a les sound effects. Alors les sound effects, pour l'instant... Pour l'instant, il y a deux trucs que j'ai pas fait moi-même. Les sound effects, donc le bump, le son du quand on appuie sur les dialogues, là, le clic, clic, clic. Et un tout petit truc qui permet de d'avoir ça, la scène, sélectionner la scène parmi les scènes. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà. C'est les seuls trucs que j'ai pas fait pour l'instant, from scratch, malheureusement. Mais sinon, tout le reste, c'est fait, fait maison. J'ai rien pris nulle part. Tous les sprites, on les a fait à la main, pixel par pixel. Les musiques, on les a refaites. Le code, on a fait tout nous-mêmes. Voilà, voilà. T'es développeur quelque part. C'est-à-dire, quelque part, oui. Enfin, c'est mon métier, du coup. On voit l'autre salle quand elle est streamée dans le jeu original. Non. Pourquoi on la voit, là? Non, non, on la voit pas, arrête de mytho. Regarde, là, si je descends. Si je descends le plus bas possible, on la voit pas, la salle. Et là, si je monte le plus haut possible, on la voit pas non plus. Mais je suis en train de... Pour la musique, j'ai envie de faire un truc clean, parce que j'ai l'impression vraiment que... Le son de la Game Boy... ouais, ouais, c'était sûrement l'éditeur. C'était sûrement l'éditeur, t'inquiète. Putain, on entend exactement le même passage juste après. Le problème, c'est que j'ai l'impression que le son, la musique sur Game Boy, elle est mieux faite. Je sais pas comment expliquer. Bon, en fait, j'ai essayé de reproduire un peu l'effet Game Boy. Donc, je sais pas, est-ce qu'on fait du coup un truc propre ou est-ce qu'on essaie de reproduire l'effet Game Boy? C'est le truc. Donc déjà, pour enlever l'effet Game Boy, on va enlever le noise et on va enlever le fine ici. Enlever le noise. Ah mais attends. Ah oui, donc là c'est full... Attends, mais oui, il y en a un problème là. Il y a le fichier MIDI original. De quoi? Ah non, mais non, mais je sais, je m'en fous. J'ai dit on refait tout, hein. Moi je veux pas... non. Attends. Je sais pas, y'a pas assez de release j'ai l'impression, mais si j'en mets trop, y'en aura trop quoi. Ou alors j'augmente tout d'un cran, peut-être. Voilà. Genre là, voilà, ça par exemple, typiquement. Ça va pas. Mais bon.
Ah oui, alors attends, ah oui. Ok, je pense que ça c'est mieux. Je pense que ça c'est mieux. On va remplacer ça. Et on va en écouter les deux sons en fait, côte à côte. Genre écouter avant, après. Avant, c'est ça. Ça manque de punch, ça manque d'attaque sur les notes. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté l'attaque sur les notes. Ah merde, ça l'a pas rendu. Cut reminder, s'il te plaît. Toc, voilà, nickel. Et donc, j'ai augmenté l'attaque, donc attention, avant. Après. Et original, ça donne ça. Ouais, mais en fait, l'original. En fait, je me dis qu'il n'y a quasiment pas de pluck en fait. C'est que des notes liées. Compliqué, hein. Durgix, bonjour, bonsoir. Ouais, on refait tout from scratch, hein. C'est pour ça que j'étais à deux doigts de refaire l'émulateur et tout. Tu développes quoi au boulot? Moi, je suis développeur web à la base, mais je fais du développement de un peu tout, un peu tout. Mais là, c'est trop, là, je trouve, non? Là, c'est trop. Ça me saoule. Je trouve pas le truc parfait. Et le problème, c'est que là, j'aimerais bien mettre un truc, mais ça marche pas. Lock paramètre. Non. Non. React du. Ah, donc t'es dev front-end. Moi, je suis dev full stack, mais je suis principalement back-end. Et j'ai fait effectivement du Vue, du React. Putain, mais c'est pas mal de changer là. Bon, du coup, ça c'est plus proche. C'est plus proche du. C'est plus proche du truc original. Ok, bon. On peut faire comme ça, hein. En vrai, moi, ça me va. Il y a un 460 ici aussi. Mais...
On peut rajouter après des effets, mais en vrai, pas besoin, hein, je pense. Ok, moi j'aime bien cette... J'aime bien cette version. Ah, pardon. Oups. Donc, avant... Après. Bah, c'est bien ça. Je préfère comme ça. Je saurais pas expliquer. Mais vas-y. Go. De toute façon, c'est pas très important la musique. On pourra la changer quand on veut. Mais ouais. Du coup, ouais, j'ai fait la musique encore une fois. Putain, j'adore, je te disais, j'adore l'écouter parce que je suis trop fier de. Merde. Cancel. Delete. J'adore l'écouter parce que je suis trop fier. C'est vraiment incroyable. Cette musique est incroyable. Genre là, le début, on dirait que c'est pas de la musique. Et en fait, c'est des notes, en fait. C'est vraiment des notes. T'as la basse qui fait ça. T'as l'harmonie qui fait ça. Et t'as la mélodie qui fait ça. Ah, ça c'est un banger ça. Et voilà, et le tout ça fait ça. Et donc là il y a un petit effet de la Game Boy, là, du coup avec le Fine, ce que j'avais fait tout à l'heure, ce que j'avais fait pour l'autre aussi. Avec le... Et après ça répète de là je crois. Non de là pardon. Ah non c'est pas là. Ça reboucle un endroit je sais plus exactement quand mais bref. Enfin voilà quoi. Et du coup j'avais fait ça pour pas mal de Pokémon, de musique de Pokémon. Ah bah celle-là. Bien.
Et après ça reboucle. Ça reboucle là, je crois. Bref. C'était trop bien. C'est très bien, très bien, très bien. Bon, après, j'avais aussi fait les musiques de ce. Parce qu'en fait, il y a un émulateur de trucs de Sega et tu peux reprendre directement les mêmes bruitages. C'est trop marrant. Bref. Bon, moi, je vais faire une pause. Je vais faire une pause. Je vais faire une pause. Voilà. Ah! Waouh, c'est la première fois que ça m'arrive. FL Studio crash. Ça m'a jamais fait ça avant. Bizarre. Bien sûr, voilà, la musique du centre Pokémon. Bon, sur ce, moi je vais manger. Je reviens tout à l'heure et on va faire la map du Bourg-Palette. Voilà. À toutes!